Et salut à tous, c'est Tyr, et ce soir on se retrouve pour une petite partie de Mecton. J'ai oublié de changer le nom sur Twitch, c'est pas Destin Royal, on est bien sur du Mecton. Voilà. Mecton Z. De la vraie session. Le cœur du maestro. Et nous sommes ce soir avec nos quatre joueurs, qui ne sont autres que, du coup, Adèche Kitano, le membre des Bananas. Comment tu vas, Adèche? Bah ça va, et toi? Ah, Imhotep, Imhotep. Ensuite, nous avons William, le concierge. Toujours. Toujours là. Toujours dans les meilleurs coups. Toujours dans les meilleurs coups. Ah non, mais là, ce coup, il va être fou. Ce coup, il risque d'être fou. Ensuite, nous avons le roi du drift, Hisoka. Ouais, mettez le rebit, les gars. J'ai chaud. Et en dernier, nous avons le capitaine de la brigade Daikokoro, Daiki. Caca de tes couilles. Caca de tes couilles. Voilà. Alors, pour nous situer, donc, nous sommes le lendemain matin de la Murge. Donc, actuellement, Osamu Saibara, ainsi que Jira Kropesu, Frey et tous leurs amis, hein, tous ceux qui ont participé, Iwata aussi, il me semble, sont à l'hôpital en train de décuver. Et pendant qu'ils sont à l'hôpital en train de décuver, toi, Tenma, tu es rentré au Maestro. Tu commences à préparer, du coup, la stratégie pour l'attaque des pirates, hein. Et pour te préparer, on t'a prêté un vaisseau qui te sert un petit peu en ce moment de bureau où t'es un peu au calme en fait. Et donc nous allons commencer à l'intérieur de ce vaisseau. Et je suis en tant que MJ alors que j'aurais dû être en tant que joueur. Merci. Et voilà. Voilà. Attends, le vaisseau c'est... Ah d'accord, ok, c'est plus dans le... Le vaisseau est sur plusieurs étages, oui, tu as... Je sais pas si... Ah. Tu vois, donc tu as un petit bureau qui sert normalement de salle de briefing, hein, dans ce vaisseau. Ouais. Et voilà. Et donc, Tenma, depuis quelques temps, tu abordes une nouvelle apparence. Effectivement. C'est ça, depuis que tu es devenu chef de la compagnie... Tu as décidé de prendre un petit peu plus une apparence un peu moins de militaire torse nu comme t'avais avant, un peu plus calme. Posé, un peu plus posé. Du coup, je vais montrer. Responsable, voilà. Je vais montrer à tout le monde ta véritable apparence maintenant. S'il veut bien. Voici le nouveau Taiki Tenma en costume avec ses lunettes. Qu'il a remis finalement. Voilà. Ça va pour une belle salopette quand même. Ah, mais on peut pas tous avoir une salopette. Oh, il est beau. Et Tenma, tu es dans le vaisseau actuellement, tu es dans ton petit vaisseau qu'on t'a prêté, en train de travailler à toute nouvelle stratégie. Tu sais pas trop comment tu vas t'y prendre avec les pirates. Voilà. Tu es en train de préparer des trucs, j'imagine que tu prépares tes postures surtout de combat. Exactement. Et voilà. Et alors que tu prépares tout ça, tu as quelqu'un qui sonne au vaisseau. Enfin, qui utilise la sonnette du vaisseau pour t'appeler, quoi. D'accord, ok. Alors, je réponds au téléphone. Ok, bah tu... Voilà, tu réponds, tu te rends compte que c'est Kai. Ah. Bonjour, c'est Kai. Salut Tenma, j'ai hâte de parler là. On a une mission d'urgence. Oui, pas de soucis. J'arrive. D'accord, ok. Voilà. Et donc, Sekai entre dans le vaisseau et tu vois que derrière elle est accompagnée de quelqu'un. Tu reconnais un visage ou quelque chose comme ça? Tu reconnais un visage, un homme plutôt grand, plutôt vieux, un bras mécanique. Bonjour monsieur, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Enfin. Tac. Donc, hop, j'ai fait apparaître, hein, mais. Directement, ils viennent te rejoindre. Ils viennent te rejoindre dans la salle. Tiens. Ah, donc c'est toi qui as pris la place, c'est ça? Enchanté, Tenma. Enchanté. Ma moto, si je me souviens bien. C'est ça, tu vois, qui vient te faire la main. Bien, j'ai demandé à ce que d'autres personnes viennent nous suivre. On va recevoir l'aide d'un mécanicien et d'un pilote.
Il va falloir qu'on parte dans l'heure. D'accord, ok, très bien. Je finis dans... Je rentre. Je suis... Tu vois qu'il commence, lui il commence dans la salle de briefing à commencer à télécharger des données dans le truc de briefing pour le lancer. D'accord. Bah, je dis mon petit, ma petite pochette et puis je m'assois à table en pensant. Ok, ok. Alors, du coup, pendant ce temps-là, tu as Hisoka. Hisoka, oui, voilà. Alors, ce matin, quand tu t'es levé, quand tu t'es levé, quand tu es parti faire tes... amener Akari à l'école, Akari, du coup, quand tu l'as... Enfin, elle est entrée dans la voiture et elle t'a dit « On va pas à l'école aujourd'hui. » Ah, d'accord. Pour quelle raison ? Et il faut qu'on aille au spatioport. Bon, rapidement ? Plus vite possible, oui. Ok, pas de soucis. Viens, je mettrai ceinture, madame. Tu vois qu'elle attache deux ceintures. Bon bah je vais conduire. Hein. Ah mince, attends, apparemment j'ai un problème de son. Ouais. Alors je vais augmenter le son de mon micro, ça devrait être bon. Attends. On me dit de te dire de monter le son de nous tous parce qu'on est trop faible par rapport à toi. Et là c'est comment ? Ah. Alors je vais voir. Ok, j'aurais dû faire les tests son dès le début, je me suis chié en plus. Ok, est-ce que c'est mieux pour tout le monde là par rapport à moi ? Bonjour et bienvenue à ce magnifique à cette magnifique session. On termine les phrases des uns des autres, c'est magique. Voilà. Et tout ça parce qu'on a oublié de faire un babli bablou. Et tout ça parce qu'on voilà, il ne faut jamais commencer une session sans faire un blablabli blablou. C'est blablabli blablou, la prochaine fois on le fera. Voilà. Satan de malheur. T'es maudit à vie. Voilà, donc du coup, on va revenir, si c'est bon, d'après si c'est bon, donc on va revenir à toi, du coup, Hisoka. Oui. Donc Hisoka, voilà, je te laisse faire quand même ton test de driving avec ta voiture. Tu vois qu'elle t'a fait prendre la voiture violette. Yes. Bon, bah j'ai déjà un bonus de 5 et ça. Ouais. Allez. Voilà. Et tu sais très bien pourquoi on te fait prendre la voiture violette. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà, toi, tu fonces dans la ville. Ouais, moi, je pars en drift, hein, dès le départ. Voilà. Voilà. Je me respecte. Tu pars en mode drift de la mort. Toi, voilà. Alors toi aussi, de ton côté, William, ce matin, du coup, comme tous les matins, tu partais pour... Enfin, comme tous les matins en ce moment, tu partais pour aller augmenter, enfin pour aller travailler sur les mechas de la brigade. Mmh, ouais. Accompagné des autres mécaniciens. Sauf que ce matin, tu as reçu un appel, du coup, directement. Tu as reçu un SMS d'un numéro que tu as déjà vu quelque part. Qui t'a demandé d'aller, non pas à la. Enfin, qui t'a dit qu'aujourd'hui, tu ne dois travailler non pas. Avec non pas dans le vaisseau habituel de la brigade, mais dans un autre. Je te laisse quand même faire un test de Streetwise pour reconnaître ce numéro. Ouais. C'est vrai qu'après, selon ta réaction, tu peux choisir de ne pas y aller aussi, comme tu veux. Bon, à première vue, je vois rien. Oh, non, ça te dit rien. En fait, tu te souviens que ce numéro était important, mais tu sais pas pourquoi. Ok, bon, de toute façon, je considérais que c'est bon, quoi. Enfin voilà, j'y vais. Si on sait que je suis en train de bosser quelque part, c'est que la personne est au courant ce qu'il faut. Ok, et donc voilà, tu arrives, enfin toi tu te lèves le matin, tu pars directement, enfin j'imagine que tu t'es levé vers 6h, contrairement à Hisoka. Voilà. Et oui, du coup. Enfin voilà, j'ai l'habitude de me lever tôt avec le boulot que je fais en ce moment. Ça. Et du coup, William, tu vas arriver au spatioport, hein, c'est là où tu vas tous les jours. Hein, basiquement, c'est la même train-train que tous les jours, sauf que c'est pas un vaisseau, c'est un autre. Voilà. Et tu vas voir un vaisseau qui n'est pas du coup celui de la brigade, mais un autre.
Et tu... Quand tu arrives devant le vaisseau, tu te dis... Tiens, je connais ce modèle. Oui, je reconnais au moins le vaisseau où j'ai peut-être passé un pas mal de temps, on va dire. Voilà, tu reconnais un vaisseau exactement le même modèle que celui où tu as passé pas mal de temps, c'est sûr. Il y a une petite spécificité, par contre. Ouais, il là, y a... c'est pas le Symphonia, c'est vraiment le même modèle, c'est tout. Quoi. C'est vrai, ouais, c'est, ce n'est pas le Symphonia, hein, il y a quelques... Enfin voilà, il y a quelques trucs. Il n'a pas été nommé ce vaisseau apparemment. Il n'a pas encore reçu. Enfin, il n'y a pas de noms qui ont été marqués dessus. Ok. Et il y a une petite spécificité par contre par rapport au Symphonia. Quelque chose que le Symphonia n'avait pas. C'est que tu as en fait. Tu as deux mechas qui sont accrochés juste en dessous le vaisseau. Donc. Ok. Voilà. Les mechas, je reconnais un peu. Quel type de mecha c'est Bah, tu les reconnais, oui. Tu as travaillé sur les deux mechas. Ok, d'accord. C'est deux mechas sur lesquels tu as travaillé. Le premier étant le Nauts. Et le d'accord. deuxième étant le Majestic Prince. Ok, très bien. Donc voilà, c'est le mecha du leader de la brigade et le mecha de Hiruma Mamoru. Qui sont tous les deux accrochés au vaisseau en mode départ directement dans l'espace, quoi. Très bien, ok. Bon, bah, je lève un sourcil, mais bon, bah, je continue, quoi. Première, vu que ça a l'air d'être un vaisseau qui appartient à la brigade, et vu que je suis en train de bosser pour la brigade, il n'y a pas de souci. C'est ça. Donc, tu vas sonner, hein. Ding dong. Voilà. J'imagine que tu vas le faire rentrer, Tedma. C'est quel, tu attendais quelqu'un ou... Ça doit être notre technicien, notre pilote. Très bien, ok, je vais aller ouvrir. On peut y aller. Okay, bah, j'ai pas le contrôle sur CK. Tac. Alors. J'ai pas le contrôle sur mon token. T'as pas le contrôle sur ton token? Ah, c'est fâcheux ça. Oui. Et maintenant? Oui, là c'est bon. Ok. Bah, de toute façon, tu peux aller dans le hangar quoi. C'est vrai que j'ai pas mis dans le hangar. Mais il manque deux choses dans le hangar. Bon, on va imaginer qu'ils y sont quand même. Hein. Basiquement, dans le hangar, il y a ça. Oh, un peu peur que mettre. Voilà, et il y a. Oh. Voilà. Oh, Monsieur Freedom. Voilà. Donc là, bon, vous allez ouvrir. Et du coup, William. Tac. William, tu entres dans ce hangar qui est exactement le même. Hein. Tu vois deux mechas, dont un que tu reconnais. Hein. Oui, je reconnais tout de suite le Purple Comet. D'accord. Ah, bonjour, vous êtes le mécanicien. En fait, c'est à ce moment-là où je vais dire, j'éteins ma clope et sous mon pied, je fais. Ouais, William Vagar, on m'a dit de venir ici. Avoue, j'ai pas eu plus d'informations donc. Bien, si j'ai bien compris, vous allez devoir piloter ça. On a installé un chalumeau dessus. Après, c'est les plans de. Enfin, vous verrez à l'étage. Suivez-nous. Du coup, je vais quand même dire bonjour et lui serrer la main. C'est un peu mon pote. Ok, pour le coup, je crois que c'est la première fois qu'on se rencontre réellement. Sans qu'on se voyait de très loin, mais. Non, vous connaissez pas vous deux hein. Enfin, non, je crois qu'on se connaît pas, non, c'est pour ça. Vous connaissez pas, ouais, du tout. Bah, je te serre la main quand même, je fais. Ok, bah, William Agar. Vous êtes Tema. C'est moi le chef de la brigade. Ah, enfin, je vous rencontre. Ah oui, c'est. Vous êtes le fameux mécanicien qui avait travaillé sur nos modèles, il me semble. Oui, entre autres, j'aide, on va dire, la petite famille qui bossait pour vous. On a eu des idées communes pour améliorer vos métiers. D'accord, très bien. Et à ce moment-là, vous voyez une voiture qui fait un drift dans la spatioport.
Et qui je pense que tu vas même pas te prendre la tête, hein. Tu vas te mettre devant dans le hangar pour rentrer avec la voiture dans le. Exactement, ouais, j'arrive en drift dans le truc, hein. T'arrives en drift dans le truc, voilà. Donc vous voyez une voiture qui s'arrête devant l'entrée. Et William, tu reconnais Hisoka à l'intérieur. Et un nouveau style aussi. Voilà, Hisoka, un nouveau style, ouais. J'attends que tu rentres vraiment dans la scène pour. Que tu sortes de la voiture pour claquer le Hisoka 2.0, parce que William, basiquement, tu vois Hisoka, mais tu l'as jamais vu aussi bien habillé. Excusez-moi, William, vous attendez de la visite aussi ou... Moi, non, mais je crois que je reconnais le. Enfin, je crois reconnaître la personne, mais je suis pas trop sûr. Tu restes calé. T'entends dans l'interphone. Faites-le entrer, c'est notre pilote. Je le fais entrer. Ok. Et du coup, tu as une voiture qui va rentrer. Hein. Je vais pas vous mettre la voiture non plus. J'imagine que vous avez vous décalé. Hein. Tu as une voiture qui rentre et dans cette voiture, deux personnes vont sortir. Et je vais en profiter pour vous révéler notre nouvelle Hisoka version 2.0. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous Voilà. n'étiez pas prêt. Wow. C'est vrai. Voilà. Ouais, voilà, hein. Ça y est, monsieur devient chevalier, il a la grosse tête, hein. Je vois ça. Mais jamais! Tu me connais depuis quand même, William. Je t'emmerde, je le sais bien. De toute façon, à première vue. Bon. Toujours à la clope. Ça par contre, ça changera pas. Par contre, toi, j'aurais pu me commander assez loin d'Akari. Ouais, j'imagine que vous vous décalez un peu. Oui, Moi, je. bon, j'ai coupé là, j'ai fermé ma clope. Enfin, je l'ai éteinte. D'ailleurs, j'aurais dit veuillez accueillir Akari Nemoto, s'il vous plaît. Oui, Akari, salut. Fait une petite révérence. Bonjour, monsieur Tenma. Bonjour. Ok. Je lui serre la main quand même. Voilà, non, mais voilà. Ok, tu lui serres la main, bah, te serre la main. Non, elle te serre la main, bon, un peu timidement. Elle va regarder du coup Sekai, elle va dire il est là? Oui, il est là. Veuillez me suivre. On va vous expliquer de quoi il en tourne. Et du coup, Hisoka, tu reconnais aussi un vaisseau d'un type que tu as déjà piloté pendant une autre mission? Ah oui, je me rappelle de ce vaisseau-là. C'était pas mal quand j'ai affronté avec ce vaisseau le Red Comet. Ah oui, c'était pas mal. Du coup, tu as Sekai qui commence à avancer, j'imagine que vous la suivez. Hop, bon, Moi je fais. je vais vous TP directement, mais bon, le vaisseau est équipé pratiquement pareil, hein. Au moindre détail près, pratiquement. C'est des trucs en série après, donc c'est pas étonnant. Et vous arrivez dans la salle, et là, quand Sekai ouvre la porte, vous voyez. William et Hisoka, il n'y a pas de doute possible, c'est Yamamoto. Ok, juste un regard noir. Sans sa moustache. Sans sa moustache. Merde, Ok, j'ai il l'air l'a de meilleur. rasé. Et lui, il vous sourit. Ah Ah, vous êtes là. Veuillez vous asseoir. J'ai à vous parler. je m'installe, je bon. croise les doigts. Pour le coup, on va dire, je vais sortir une cigarette et toi, je vais pas l'allumer, mais toi, c'est un peu nerveux quand même, toi, Je vais sortir une cigarette aussi, du coup. Enfin, toi aussi tu fumes. Oui, quitte à moi, il fume. Putain. Bon, pour le coup, je l'aurais pas acheté alors. Bon bah ok, donc tout le monde se met à sortir ses clopes, hein. Bah, moi c'est plus le tic nerveux quoi, c'est plus pour éviter de peut-être de D'ailleurs, faire une Yamamoto il va se mettre là de dire des conneries face à Yamu. Par contre, je vais quand même dire veuillez filmer vos clopes d'or en attendant que Akari soit là, s'il vous plaît. Ah, c'est pas pour fumer, c'est désolé, c'est juste pour avoir quelque chose Et il y a Tenma aussi qui fume. dans. Moi, je vais poser ma clope devant moi et puis je vais croiser les bras. Bien. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Sabasso, on va avoir besoin de vous. Il n'a pas le contrôle.
Ah, il a pas le contrôle de santé. Ah, t'as pas le contrôle. Ah merde. Ah merde, du coup, tu vas pas t'asseoir, monsieur Samassou. Non, non, je vais pas m'asseoir. Ah, ok. Je regarde la moto en mode vénère. J'hésite à m'asseoir en fait. Je vous prie de vous asseoir, il se casse. On va commencer, je pense. Oui. Oui, attendez, mes jambes ne répondent plus. Vous voulez un peu d'aide? Volontiers, s'il vous plaît. Ah, voilà. Merci, excusez-moi, ça n'a pas répondu. J'ai un peu d'huile dans le. Ok, donc Hisoka, tu t'assois. Oui. Et donc Yamamoto commence à vous faire apparaître sur l'écran un énorme vaisseau. Vraiment, vraiment un énorme vaisseau. Il vous dit vous êtes tous au courant de ce qui arrive sur nous actuellement, non? J'ai hâte. Probablement. Oui, j'ai été mis au courant il y a pas si longtemps que ça, ouais. À votre avis, on a combien de pourcentage de chances de vaincre ces gens-là? Si vas-y. C'est moi qui commande, on a 100% à mon avis. Moi je, vas-y, je veux faire un calcul. Je fais vraiment le calcul pour sortir le calcul exact. Vas-y, fais-moi un test. Fais-moi un test de stratégie. Je sais pas. Vas-y, une stratégie ici ou déjà. C'est tactics? Non, c'est stratégie. C'est stratégie. C'est dans quoi en fait? Désolé, intelligence, stratégie. J'ai envie d'en faire un aussi du coup. Ah oui, ok. Ouais, William. Okay. William, bon, tu vas pas voir le truc exact, mais t'as envie de te barrer de la station en fait là. Bon bah, à mon tour du coup. Vas-y. Ouais, Thelma, actuellement, avec l'état des vaisseaux et ce qu'il y a en face, l'appui des militaires et tout ce que vous avez, vu la taille du truc et vu les dernières... Enfin, avec toutes les simulations que tu as dû faire et vu les dernières fois où tu as vu ce vaisseau-là affronter d'autres vaisseaux, notamment militaires, tu te dis... tu te placerais entre 15 et 20% en vérité. Très bien, d'accord. Je regarde Yamamoto en passant la main dans mes cheveux, je dirais à peu près 25%. il te regarde et te dit zéro. Très bien, d'accord. Je vois que l'ambiance n'est pas très. Je sais pas que l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Enfin. Sauf si on utilise notre arme secrète. Notre arme secrète. Et là, c'est moi, je pense, qui me regarde. Oui. ok. je suis en train de mâchonner peut-être le bout de ma cigarette, toi, en train de réfléchir, parce que, surtout avec le calcul que je viens de faire, je me dis... arme secrète, je veux bien, mais... savoir que, vu le peu de temps que nous avons, il n'y a aucun test qui a pu être fait. Et je vous avoue que rien n'est moins sûr que tout fonctionne correctement. Quoi. À mon avis, je pense qu'on n'a pas vraiment grand-chose à perdre. Non, surtout que j'ai peut-être quelque chose sous la main qui pourrait faire passer nos chances pas loin des 100%. Ah bon? Temps de parler, hein. Vous savez, lorsqu'on a construit le Maestro, enfin, lorsque nos ancêtres ont construit le Maestro, ils ont ramené dessus quelque chose des arches, qui a été gardé pendant pas mal d'années. Toi, je lève un sourcil, quoi. Je m'intéresse un peu plus à ce qu'il dit. Pendant pratiquement 20 ans de ma vie, j'ai essayé de faire en sorte de trouver comment ça marchait pour pouvoir le réparer. Et apparemment, il a été regardé encore une fois, William, apparemment, vous avez réussi en à peu près une semaine. Tu vois, je vais prendre ma club, je vais la ranger dans ma poche et tout ça, et je vais faire une semaine, ouais, enfin, avec l'aide de mes collègues, mais on va dire que... On a une bonne idée de comment réaliser certaines choses et... Je peux j'espère que c'est bon, quoi.
Tu vois, il te regarde, il dit, je peux vous fournir un cœur de fusion fonctionnel directement sorti d'une arche. Bon, là, clairement, je suis un peu étonné. Réellement ? J'ai jamais réussi à le reproduire, mais je sais actuellement qu'il y en a dans le Mastro. Le seul problème, ça va être de trouver le moyen d'y accéder. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous gênerait, par exemple ? Bien, actuellement, cet endroit est protégé. On ne peut pas vraiment y entrer. Et même en prenant le contrôle du maestro par ses systèmes principaux, la porte reste bloquée. Il nous faudra sûrement les codes d'accès. De ce que j'ai pu comprendre, la dernière fois qu'on a eu les codes d'accès, c'était les personnes du gang des bananas qui les possédaient. Gang des bananas. Oui, c'est. Lorsque le gang des moustaches a été dissous, ils ont confié les codes d'accès aux bananas. C'est eux qui les possèdent actuellement. Il faudra donc les faire parler, c'est bien ça? Simplement récupérer les codes. Et une fois qu'on les aura, on pourra utiliser ce cœur de fusion et gagner cette bataille. Ouais. Avec un cœur de cette taille, il serait possible éventuellement de faire fusionner plusieurs mechas avec le maestro directement. Là, j'ai intéressé. j'ai le droit de sortir moi un petit truc aussi. Si on a vraiment le cœur, les faire fusionner, on pourrait même sur la technique, on peut toujours faire fusionner des mechas entre eux, des mechas avec le maestro. J'irais même, sur le papier, on peut même faire bien plus, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment avoir le... Enfin, vous êtes sûr que vous en avez un qui répondrait correctement, quoi. Parce que là... Il n'est pas actuellement en état de marche, mais si vous arrivez à l'activer, on devrait pouvoir utiliser tous les cœurs d'un coup. Bien. Bien, maintenant que tout est dit, tu vois qui te regarde. Nous avons localisé le vaisseau Banana. Il est pas très loin, environ une demi-heure d'ici. J'ai déjà entré les données de localisation dans le vaisseau. Tu vois qu'il te regarde, Hisoka. Vous pouvez nous emmener là-bas ? Ouais, bien sûr, sans problème. Ils ont été prévenus notre venue ? Non. Je sais pas si vous comptez les aborder de manière agressive ou pas, mais c'est possible d'éviter de créer des tensions. Eh bien, on verra s'ils coopèrent ou pas. S'ils coopèrent pas, je propose qu'on utilise ma stratégie habituelle. Faire péter une bombe thermonucléaire sur un vaisseau, c'est bien ça? J'allais dire. Stratégie. Tu vois qu'il te regarde, il te dit... détruire mon ennemi sans même qu'il ait le temps de répondre. Ouais. C'est pas récupérer les codes quand même avant de les détruire. Je prends une position un petit peu plus mode glamour, je vais dire, ça a pas très bien réussi. J'aurais dû mettre un peu moins de temps sur le militeur. Ouais. Enfin, bon. Le gang des balades, c'est pas. Pas non plus un gang criminel. J'ai toujours eu des bons contacts avec eux. Du peu que je connaisse le gang des bananas, on devrait pouvoir discuter avec eux. Je me retourne vers Sekai, je dis, je pense que on a une personne qui connaît certainement quelques personnalités influentes là, du gang des bananas. Enfin, j'espère. Moi, j'ai personne à appeler là tout de suite. Enfin, j'ai peut-être un ancien de la compagnie, mais... Est-ce que moi, j'aurais quelqu'un à contacter ? Attends, est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi ?
Moi, on a fait copain-copain lors Ah! du surf Battle Royale. Battle Royale. Je crois. Ouais. Mais moi, il me semble que je le connais. À voir, est-ce que toi, Tenma, je sais, attends, Tenma, toi, il me semble que Je le tu. connais par Osamu. Voilà, tu le connais par Osamu, mais après, t'as pas forcément le numéro. William, tu le connais de ce moment-là, quoi, aussi? De ce moment-là, et que j'avais bien précisé de souvenir que c'est de garder des bons contacts, parce que moi j'essaie d'avoir des bons contacts avec tous les Ah gens. oui, c'est vrai, oui, donc nous, oui, t'as les numéros des gens du compte des bananas. Ouais, ok, on est bien d'accord. Ok. Voilà, tu. C'est Genre, bon alors. oui, genre, si tu vas là-bas et que tu affiches ta tête, ils te reconnaîtront. Ok, très bien. Voilà, c'est au moins d'avoir une personne qui connaît, c'est que moi je connais. Enfin, voilà, c'est tout. Oula. Très bien. Donc voilà, je remonte le fait que bah, voilà, j'ai quelques contacts avec le gang des bananas. S'il y a besoin de discuter, je pense que je peux faire. Et tu vois qu'il y a ma moto, il dit très bien. Monsieur Sabasu, enfin, Sabasu, veuillez nous amener directement à leur vaisseau. Chevalier pour vous, j'y vais. Tu peux te déplacer dans le cockpit. J'y vais. Il avait un sourcile quand tu dis ça. Il garde Ouais. son sang-froid, il garde son calme, il lève juste un sourcile en mode. Il peut lever tout ce qu'il veut. Je regardais un peu tout, j'ai l'impression que c'est pas votre meilleur ami, c'est Johnny Soka. Oh, une relation plutôt explosive. Et là pour le coup, je vais faire. Vous voyez le méca violet dans la soute? Hisoka l'a juste récupéré sur Yamamoto. Avec un peu de freedom. Je vais pas m'immiscer davantage dans cette histoire, je pense. Donc il y a un passé commun, enfin, comme moi aussi, quoi. Enfin, je Okay. regarde ma moto, bon, moi je suis un peu plus tranquille, mais. Tu regardes Yamamoto, tu vois que Yamamoto, il a sorti Yamamoto, il a sorti une tablette et il est en train de faire des calculs dessus. Bon, je vais pas aller plus loin, Il je prend vais même pas faire part, enfin, bon. il prend même pas part à la conversation, hein, il sort sa tablette et. Très bien. Excusez-moi, mais dame, alors je sais pas, je vois pas son nom, je vois Akira, Akiri. Akari. Akari. Tu peux appeler Akari, je pense. Akari, ouais, je Nemoto. gère, voilà. Nemoto. Dame Nemoto, je vais vous montrer les différents quartiers qu'il y a sur ce vaisseau. Vous pourrez comme ça les prendre pendant que votre chevalier est en train de piloter. D'accord, j'arrive. Elle te suit. Et du coup, tu vois Tenma et William, vous voyez aussi Sekai qui commence à s'étirer et fait hop, ah, enfin, un peu d'action. J'en avais marre de traiter la paperasse. J'en avais marre de faire la paperasse là. J'espère au moins qu'ils se défendront. J'en ai dû que t'es de la partie Sekai. Je commence à un peu me frotter la tête. Essaye d'éviter un peu quand même. Oh, t'en fais pas, mon mec est en réparation, mais j'ai ramené celui du Roumain. Oui, donc essaye d'éviter un peu quand même de faire couler trop de sang, s'il te plaît. Bah, c'est une mission. Apparemment, on va juste leur parler. Je commence à rigoler un peu nerveusement. Oui, juste leur parler. Et du coup, bah, William, tu ramènes Akari. Ouais, bah, par rapport au niveau on va dire, Yamamoto, c'est vraiment le plus haut niveau de comment. Yamamoto, c'est plus rien. Ouais, c'est plus rien, on est plein. Donc, c'est à Akari Nemoto Alors, Akari était qui est au au niveau. même niveau qu'Yamamoto. Ouais, c'est ça. Donc, c'est elle qui est au-dessus de tout le monde. Bah, techniquement, Tenma est maintenant. Enfin, ça a été officialisé. Hein, Tenma occupe le poste que Yamamoto occupait à l'époque. D'accord, ok, Donc, ouais, je sais pas. en gros, Akari égalité avec Tenma et au-dessus de tout le monde, quoi. Ok, d'accord. Voilà, désolé, c'est pour savoir un peu les niveaux sociaux de chacun, ça a pas mal Voilà. bougé. Bah, en gros, voilà, Tenma et Akari sont au même niveau que Yamamoto était à l'époque. Et sinon, bah, Hisoka est chevalier d'Akari et C'est Sekai, ça. on sait pas trop ce que c'est. Voilà. Ok, d'accord, très bien.
Bon voilà, je vais lui présenter, je vais faire le tour de Akari, je vais faire le tour. Tu lui fais le tour du vaisseau et lui trouver le meilleur la meilleure chambre qu'elle pourrait avoir quoi. Après voilà, tu sais que le trajet ne va pas durer plus d'un jour. Hein. Oui, non, mais bon, c'est une question de... Ok, ok, bah tu lui montres les quartiers. Pendant ce temps-là, Hisoka, tu démarres le vaisseau. Ouais. Le trajet va vous prendre simplement 2-3 heures. Hein. Et okay. Vous allez arriver du coup devant un autre vaisseau. Et pas n'importe quel vaisseau, hein. Un vaisseau bien connu. J'ai bien peur. Qui a une forme de... Voilà, attendez, je vous sors quand même cette œuvre. Voilà, le vaisseau en question, oula. Ouah. Hop. C'est le banana vaisseau. Les moyens. Piloté par Wilson. Voilà. Du coup, je vais m'approcher de la cabine d'otage. Quoi ? Tu vas vers la cabine, ok. De toute façon, c'est qu'il y a des caméras, c'est arrivé. C'est qu'il y a Yamamoto, vont y aller aussi. T'éteins les caméras ? Ouais, c'est arrivé, j'éteins la caméra pour dire que je regardais pas, quoi. Ah oui, t'éteins la caméra dans le truc. Ouais, je regardais pas, quoi. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, juste, Adèche. Je suis là. Ouais. Alors, Adèche, toi, bah écoute, tu étais tranquillement avec les bananas, hein. Toi, il se passait rien. Vous étiez en train de préparer vos affaires de gang futures. Non, faut pas mentir, on glandait rien, on mangeait juste de la glace à la banane. Ok, voilà, pour te dire la vérité, vous étiez en train de manger de la glace à la banane. Voilà, vous êtes en train de manger de la glace à la banane et en train d'essayer de trouver des solutions pour les pirates, mais vous savez que vous pouvez rien faire à votre niveau. Donc voilà. Donc, vous étiez donc en train de rien faire et de manger de la glace à la banane. Et soudain, une alerte s'ouvre. Vaisseau en approche. Et tous les membres du gang de la banane commencent à arriver. Ben, je me lève et je vais au cockpit voir ce qui se passe quand même, quoi. Franchement, cette page, elle est belle. Alors, mais cette page, elle est monstrueuse, tu vois. Cette page, elle est vraiment monstrueuse. J'ai une petite larme à chaque fois, quand même. Ça, je reconnais une certaine personne là-bas. Là. Oh non, mais... Juste là. Ah, tu l'as déjà vu, lui ? Oui, je l'ai déjà vu. Ah, peut-être, oui. Ah oui, non, si, tu l'as déjà vu, oui. Ok, donc, voilà, la communication s'ouvre. Enfin, vous voyez qu'il y a une demande de communication qui se fait entre... Enfin, vous leur demandez la communication rapidement. Toi, Hisoka, t'as une demande qui est faite, quoi. Ok. Bah, je vais dire à vous l'honneur, j'imagine. Oui, je vais m'en occuper, je pense. Mmh. Voilà. Donc, Tenma, tu réponds, et en face de toi, tu as, du coup, cette personne. Voilà. La banane bleue. Je regarde, je m'attends un peu sur sa magnifique coiffure et puis je dis bonjour, on aimerait prendre contact avec quelqu'un de votre station, on aimerait avoir quelques renseignements. Vous cherchez à contacter le gang des bananas ? Qu'est-ce que vous voulez ? On aurait besoin de confirmer quelques petites. On a besoin d'éclaircir quelques questions. Et je présente Sekai et je lui dis j'aimerais parler un peu d'un cœur de Mecha. Je sais pas si. Ouais, je suis pas sûr que je peux vous laisser discuter. Et vous voyez derrière vous Yamamoto qui commence à s'avancer. Il regarde l'écran et il va dire la banana, l'espoir. Une limonade. What? Je regarde Yamamoto et je fais oui. Oui, très bien. Du coup, il regarde. Je vois qu'il ouvre un peu les yeux, surpris, et il dit très bien. Vous pouvez venir. Vous pouvez vous poser dans notre vaisseau. On vous attend. Ok. Bah, je vais aller en mode.
Ah, en mode tranquille, hein. Okay. Je vais pas piloter comme un faux furieux vers le truc. Mode tranquille avec des drifts, c'est ça? Ah ouais. Ouais, mais ça c'est au mode tranquille habituel, tu vois. Mais là, c'est en plein la vue, j'ai envie de te dire là, tu vois. Tu me la vue. Allez, ouais. J'aimerais bien la vue. Fais-moi un test de pilotage en ce cas-là. Allez. J'accepte. J'accepte. Ah, bah non. Il m'en manque là. Ouais, non, ça va. Hein. Tu fais pas des trucs de fou, mais au moins t'arrives à poser le vaisseau dedans. Il m'en manque là. Donc vous arrivez dans ce vaisseau banana. Hein. Vous sortez tous. Vous voyez que quand vous sortez, du coup, Adèche, on te donne une limonade et on te dit d'aller la donner aux personnes qui vont sortir. Très bien. Là, j'arrive avec ma limonade à la main. Tenez, c'est pour vous, on m'a dit. Du coup, Yamamoto prend la limonade et dit merci, et il la donne à Kari. Ça va, sinon, puis que vous êtes sorti de prison ? Plutôt... Enfin, en ce moment, c'est plutôt triste, mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Est-ce que je peux parler à Maron ? Ils sont là-bas. Si vous auront laissé arriver, je présume qu'ils vous laisseront lui parler. Très bien. Du coup, ils vont te suivre jusqu'à la salle, du conseil de Banana. Quand tu prends cette voix, à chaque fois, je sais que ça pue pour aller qui va arriver après. Voilà. Donc, vous arrivez du coup à une salle, à une salle en forme de banana, avec une table en forme de banana. Et vous voyez que tous les membres du banana sont posés. S'assoit sur la table en fait, et vous êtes tous devant. Au moins, okay. Ils sont dans le thème. Voilà, bon, et puis. Donc, pour le coup, je ferai des petits saluts à ceux que je connaîtrais. Ah, du coup, ouais, tu fais des petits saluts, donc tu reconnais Saito, tu reconnais Gojo, tu reconnais Adèche. Et le dernier que t'avais vu, c'était. Saito, Gojo, c'est pas Ken ? Ouais, je crois que c'était Ken. Ken, ouais, c'était Ken, ouais. Tu reconnais Saito, Gojo, Adèche, Ken. Toi, Tenma, tu reconnais Kazuo ? C'est la seule que je connais. C'est ça. Et tu vois, du coup, Yamamoto qui s'approche et qui salue, du coup, la vieille qui est là. Si, t'as le genre de pareil. De quoi ? J'ai pas de connaissances ou quelque chose comme ça ? Tu peux faire un test de connaissances, mais tu vois qu'il va saluer, du coup, la vieille dame. La vieille dame va lui donner sa main, en fait, et il va lui faire un baise-main. Ah oui. D'accord. je regarde Sekai et je fais c'est... Sekai, il te regarde. Tu vois que Sekai, il te regarde en mode what the fuck. Je vais plutôt rester derrière. Je veux dire, Isoka, je fais, mais en fait, les gangs, c'est plus des familles royales qu'autre chose, quoi, non ? Si tu veux, je vais chuchoter, si tu veux, mon avis. En fait, j'en ai pas, j'en ai rien à foutre, simplement. J'imagine qu'ils sont dans le thème, et puis voilà. Du coup, Yamamoto, du coup, va se mettre devant vous. Hein. C'est voilà, il va dire, si je suis venu ici, c'est pour une raison simple. J'ai besoin de récupérer les codes du cœur du maestro. Je vais éternuer un peu. Voilà. Oui. Et là, vous êtes les codes du cœur de maestro, et puis... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Et puis vous voyez tous les mecs des bananas qui commencent à chuchoter. Adèche, tu vois les gens du club des bananas qui commencent à chuchoter. Je te laisse faire un petit test de Streetwise, Adèche. Oula. C'est dans quoi déjà ? Cool. Hop là. Ah ! T'as aucune idée de ce que c'est. Très bien. J'ai pas relancé un dé, c'est bon. Pas la peine. Pas la peine. Et du coup, Maron va se mettre à crier silence. Elle va regarder Yamamoto, elle va dire malheureusement, nous avons perdu les codes. Quoi? Est-ce qu'on peut faire un test pour voir si elle bluffe ou pas? Vas-y, je te laisse le faire, un test de... Attends, c'était quoi déjà? Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec ton, moi. Empathie.
Empathie, ouais. Un test d'empathie, c'est Human Perception. Oui, tout à fait. Voilà. Tenma, t'as pas l'impression qu'elle ment? Elle a l'air désolée, en fait. D'accord. Je regarde Hisoka et je lui fais un signe de la tête. Mais je t'en refais un. Vous avez perdu comment? Bien, l'un des membres les plus anciens de notre gang nous a quittés pour rejoindre le gang des Bloods. Et il est parti avec le code. Alors, pour le coup, le gang des Bloods, est-ce que ça nous parle? Là, vous pouvez faire tous un test de Streetwise. Regarde, Sekai, je fais... Sekai. Oh, Sekai, il va faire son test si tu veux. Est-ce que... Alors, pour le coup, moi, j'ai envie de savoir, vu que moi, je m'intéresse beaucoup au gang, est-ce que j'ai un petit plus ou pas Je pense qu'il y a moyen que... Ouais, je te donnerai un petit plus 3. Ok, merci. Voilà, Hisoka, tu vas connaître... Ouais. Et c'est William aussi. Voilà, Hisoka, William, vous connaissez. Alors, vous savez que c'est un gang qui est un rassemblement en fait de personnes qui ont fui des autres gangs. Et okay. William, je vais te donner ça en plus parce que tu traînes beaucoup avec les gangs en fait. Adèche avec ton 12 en Streetwise aussi. Adèche avec ton 12 en Streetwise, le fait que tu sois avec les bananas, je vais te donner aussi une information en plus que Adèche et William ont. Vous savez que les gangs en général se bifient d'eux, ils les aiment pas. Les Bloods, voilà. En plus, il y a, voilà, il y a pas mal de traîtres de chez les bananas qui ont rejoint les Bloods, qui ont du coup trahi jusqu'à... Enfin, ils portent encore la banane. Ils portent la banana, mais ils ont trahi l'essence de la banana. Mmh. Ils gardent pas la banane. Enfin, voilà. Si, mais bref. Voilà. Par contre, j'ai une question très importante. Oui. S'il y a des traîtres de plein de gangs, et que tous les gangs ont des archétypes ultra spécifiques, on va dire, ça ressemble à quoi, eux, leur vaisseau, leur salon Bah en général, ça fait des trucs très. En fait, tu sais pas, t'as. D'ailleurs, tu sais pas. Hein. Bah, tu sais qu'en général, c'est des trucs qui sont. Et des ambiances qui sont très. Comment dire, très malsaines. D'accord. Avec des gens qui ont l'air pas très cool. D'après leur nom, c'est pas normal. Voilà, c'est les Bloods. Ok, donc dès que voilà, moi, si, quand j'entends les trucs, en fait, j'aurais fait un petit genre un petit fac, quoi, en entendant que c'est les Bloods qui récupèrent. Ah oui, d'ailleurs, oui, Adèche, tu les connais, les Bloods, tu les avais rencontrés? Ah, j'allais le noter. Je les avais rencontrés. Alors, dans la mission que tu avais faite à l'époque, c'était Cécile qui MJT. C'était une mission où tu devais aller récupérer une psy dans un bar. Ah oui, mais j'ai. Je les ai rencontrés quand le bar, c'était le bar de Banana. Ouais, mais les gens que t'as rencontrés, c'était des gens du monde des Bloods. Ah, mais je savais pas alors. Ah, d'accord. On savait pas c'était qui les gens avec attends. Qui on... Bah, je vais te remontrer, juste pour te rappeler, je vais te remontrer les deux tokens en fait. Des deux personnes que tu as rencontrées, mais oui, tu as rencontré ces deux personnes du gang des Bloods. Oui, ouais, effectivement. Voilà, qui sont Blood Débardeur et Blood Bandana. Très bien. Je ne savais pas qu'ils étaient du gang des Bloods, mais très bien. Ils ont réussi à rentrer dans le bar du gang des bananas. Ah ouais, ils étaient dans le bar du gang des bananas à l'époque. Ah, ils ont fait fort. Voilà. Mais bon, okay. Voilà. Du coup, si vous cherchez à peu près à quoi ça ressemble le gang des Bloods, voilà. Ouais, j'imagine. Des gens très sympathiques. J'ai bien l'impression que Sekai va être ravi. Le gang des Bloods. Et est-ce que vous savez au moins où est-ce qu'on peut les trouver? Tu vois que Baron le regarde. Je ne sais pas s'ils ont disparu depuis certains moments. Et Yamamoto va se tourner vers Sekai. Yamamoto va se tourner vers Sekai. Sekai va hausser les épaules. Bon. Si elle a haussé les épaules, moi je sais pas non plus. Hein, je suis désolé. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait retrouver des gens quand même? Très simplement. Se faire passer pour des parias et essayer de trouver les Bloods. Tu veux essayer de les infiltrer, ça? Pourquoi pas? Et pour ça, faut être dans un gang. Oui. Ouais, t'as un gang ou... Faudrait que... Ou se faire passer pour un gang, et puis voilà.
Oui, mais ils sont au courant de ça. Faudrait qu'il y a un des membres des gangs actuels, en l'occurrence je présume un membre du gang des bananas, se fasse passer pour un traître. Parce que je présume que c'est plutôt eux qui te contactent et pas nous qui pouvons les contacter. Dans ce genre de cas. Et dans ce cas, il va falloir que l'un d'entre nous, enfin, tu vois que c'est CJ qui part dans le cas, il va falloir que l'un d'entre nous soit assez pour un prêtre. Qui pourrait faire ça? Et tu vois que... Je te demande. Et tu vois que les gens commencent à regarder, les gens commencent à se regarder tous. Fais pas avec le scénario, s'il te plaît. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il faut se couper la banane? Non, les personnes du gang des Blood ne portent pas de... Enfin, continuent de porter la banane. Bon, ben, vu que j'ai déjà travaillé avec certains d'entre vous, je me porte volontaire. Tu vois que du coup, Kazuo, tu dis tu es le plus jeune du gang. Ils auront moins de soupçons si c'est quelqu'un de frais. Il vaut mieux que ce soit toi qui porte cette pétition. De toute façon, nous savons tous déjà que la banane est dans ton cœur. La banane vaincra. Exactement. Très bien. Adesh, ta prochaine mission sera d'infiltrer le gang des Bloods et de nous ramener les codes. Je le ferai. Pour vous. Pour la banane. Non. J'ai juste une question au niveau de cette organisation, etc. Est-ce que vous avez quelque chose contre eux? Parce qu'à tout moment, si on les infiltre, on peut potentiellement un peu foutre la merde. Ah bon? Alors, du coup, là, je fais oui, oui. J'irai pas détruire non plus le. J'irai pas détruire le gang. Eh bien, je vois que du coup, la vieille recommence à parler. Eh bien, ces personnes sont des traîtres à tous les gangs. Ils ne sont pas dignes de confiance. Nous n'avons aucune affection pour les traîtres. Très bien, c'est le cas, et je retire ce que j'ai dit, si tu veux tuer des gens. J'ai jamais dit, si tu veux être, regarde, j'ai jamais dit que je voulais tuer quelqu'un, j'ai simplement dit que je voulais me défouler. Ouais, c'est bien ce que je disais. Éventuellement, c'est peut-être pas... Vas-y, c'est peut-être même pas plus intéressant d'essayer de les, comme je dis, les infiltrer, voire même à essayer de les recruter pour le combat qui arrive, si on peut les utiliser comme... Comme faire un canon je veux pas remettre en question ton jugement. Disons que recruter des traîtres qui ont trahi des gangs pour les réutiliser au niveau feeling, j'ai pas envie qu'on se prenne. Et je pense qu'aucun gang acceptera de se battre à leur côté. Voilà. Je vais tous vous mettre en aparté. Il va se passer quelque chose. Allez, à tout de suite. Hop, hop, hop. Ok. Ça va être juste entre toi et moi. Ok. Ok. Hisoka. Oui. Tu vas avoir une vision. Ok. Voilà. Tu vas avoir une vision. Et ce que tu vas voir, ça va être très simple. Et ça va pas te plaire. Ok. Ok, alors tu as une vision, tu vois l'intérieur d'un vaisseau. D'un immense vaisseau. Ah! Ce n'est pas l'immense vaisseau que j'ai déjà vu? L'immense vaisseau que tu as vu plus tôt, oui. Ouais, d'accord. Et dans cet immense vaisseau, tu vas voir des personnes. Des personnes avec des débardeurs, des personnes avec des bandanas, des personnes avec des bananas, des personnes avec des moustaches. Voilà, des personnes avec d'autres traits, sûrement d'autres gangs. D'accord. Voilà, je vais te montrer la scène que tu vas voir. Hein. Mais basiquement, tu vas voir, du coup, toutes ces personnes accompagnées de deux autres. Je te mets sur la scène tout de suite.
Voilà, faut imaginer un immense vaisseau, tu vois pas mal de gens de plein de gangs différents. Qui sont tous rassemblés, hein, qui portent à peu près tous la même couleur rouge. Quelque part. Et tu vas voir du coup ces personnes qui entrent dans le vaisseau. Enfin, toutes les personnes en fait de tous ces gangs entrent dans le vaisseau. Et ils viennent et ils vont tous s'agenouiller devant les deux personnes qui sont là. D'accord. Ok. Voilà. Ok, ça va. C'est clair, net et précis comme vision. Extrêmement clair, mais ça va, je sais où ils sont. Ok. Qui nous trahissent pas. Voilà. Re J'ai un peu. J'ai un peu un... Alors, c'est pas contraire, mais moi, personnellement, je doute fortement qu'ils aient rien à voir avec. Ok. Je vais me diriger vers Daki. Et je vais mettre la main dessus, je fais faut que je vous parle. Je mets la main sur son épaule, je fais ouais, qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, tu peux me tutoyer, y'a pas de soucis. Très bien. Je sais où ils sont. Du coup, tout le monde se tourne vers toi. Ils sont dans le vaisseau. Dans quel vaisseau? Celui qu'on nous a montré plus tôt. Donc dans le vaisseau où... Je suis la Un vaisseau mer. pirate? Oui, dans le vaisseau pirate. Ok, bon bah au moins D'accord. ça règle la J'aimerais question que pas. nous avons. Je remets pas en doute, mais c'est-à-dire d'un coup, comme ça, tu. Quelques capacités? Disons que connaissant Samu, je suis vraiment très bien. Je suis pas venu. Bah tu as tes propres capacités depuis peu, peut-être pas. Oui, justement. Moi, j'ai dit quelques capacités. Très bien, d'accord. Tu as vu. Enfin, tu as juste vu leur vaisseau ou. J'ai vu tout plein de personnes de gang entrer dans cet immense vaisseau. Donc, d'où ma D'accord. conclusion qu'ils sont là-bas. Les. Et j'ai vu également dans ce vaisseau-ci et qu'ils se sont inclinés devant deux personnes. Je devrais décrire. Ça m'avait l'air d'être tous les deux des pirates. Des pirates, hein? Ok, Je, bah. je, 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 attends, je prends la main, je baisse la tête d'Isoka, je lui fais. En chantant, je lui dis. Enfin, pirate un peu avec une crête iroquoise. Quelque chose comme ça, avec des cheveux blancs, comme ça. Blanc? Non, Crête pas blanc. iroquoise, cheveux à peu près blancs en air supérieur. Voilà, il y avait pas un. Ouais, il y avait ce mec-là, ouais. Je regardais ces gars, je fais bon bah. Hein? On y va quand? Quand vous voulez. Attendez, vous voulez aller dans le vaisseau des pirates là tout de suite? Non, je vais plutôt m'occuper de notre mission. Ouais, Là tout mais de suite maintenant et la boucle plus vite. s'ils sont dans le vaisseau, il ressemblait à quoi le deuxième? Le deuxième, j'ai reconnu. Tac, attends, je vais t'aider. Ouais, excuse-moi, désolé. Mais moi, j'ai un trou de mémoire. Alors, oui, donc la première, celui qu'on m'a décrit, effectivement, avec une crête blanche, un petit peu à l'air impétueux, arrogant. Et l'autre portait une cravate avec une chemise à moitié ouverte. Un style un petit peu punk sur les bords. Tac, William. Avec un bandana noir. Voilà, William, juste avec la Ouais, description. ça me parle, ouais, c'est ce que je suis Ça en train de me dire. te parle, oui, ça va te parler. En fait, la description va te rappeler un mec que tu connais, tu gangs des bandanas. Ok, d'accord, ça me parle réellement, c'est bien ça, je suis en train de me dire, c'est Voilà, en bizarre fait, et en ça. fait, il voilà, Hisoka va te décrire Poncho Winchester Morales. Quoi? Pas une chose, Winchester Morales? Oh là là, Je ne lui. sais pas. Putain, ok. D'accord. Je me tourne vers la moto et je dis avec les informations qu'on vient d'avoir, quelles sont nos chances de nous infiltrer parmi ce gang? C'est du suicide là. Pancho Morales, là, c'est. Tu peux m'en faire un petit récap? Je sais que je l'ai vu, mais je me souviens plus où. Alors, Pancho Tu. Winchester Morales, du coup, la reine de l'espace. C'est lui qui est venu te voir et qui t'avait dit, ouais, notre pote, faut écrire son nom, Johnny, sur le BK. C'est Ok, lui ton c'est contact lui. que t'aimes bien du gang des bandanas.
D'accord, ok. T'as son numéro de téléphone. D'accord, ok, c'est bien ça. D'accord, ok. Je me disais vraiment, je sais que je le connaissais bien, mais je me souviens plus d'où. Ok. Je vais faire le gars que tu parles. Enfin, je le connais bien. J'ai fait plusieurs soirées avec lui. J'ai le moyen de le contacter, quoi. Carrément. Oui, mais si on le contacte, il sera où on est, non? Bah, le truc, c'est que on peut essayer de l'amener à un endroit où je peux discuter avec lui et peut-être tendre un piège. Tendre un piège ou voire même simplement discuter et voir. Bah, j'aimerais bien aussi savoir qu'est-ce qu'il faisait là-bas, quoi. Parce que c'est quand même un gars des gangs c'est des bandanas ou des bandanas? C'est des bandanas. C'est des bandanas, ouais. Du gang des bandanas. Après, je connais, il n'y a pas que lui que je connais là-bas. Vous voulez dire que le gang des bandanas aurait aussi rejoint les pirates? Il faudrait que je prenne contact avec les 2-3 personnes que j'ai pour voir ce qu'il y a, quoi. Mais... J'ai l'impression que d'après la vision qu'on a eue, les pirates sont rejoints par pas mal de gangs. Bah, ou simplement, il est peut-être passé du gang chez les gangs des Bloods, hein, aussi, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir faire passer un appel vite fait au gang avec lesquels on contacte, que j'ai, gang des bandanas, pour savoir s'il est toujours là, toujours, il fait partie toujours des gangs, ou si c'est un paria maintenant et qui a rejoint des Bloods. Bah voilà, William, après t'as son numéro, tu peux l'appeler tout de suite, genre, si tu veux. Ouais, mais c'est ça, mais je vais déjà voir si ça convient à tout le monde, quoi. Je vais pas téléphoner, alors si ça leur convient. J'aurais peut-être sécurisé la communication, puisque voilà. J'ai pas forcément envie qu'ils connaissent l'emplacement du vaisseau banana. Excellente idée. On doit bien avoir quelqu'un qui sait faire ça dans notre gang. Tu vois qu'ils regardent tous à droite à gauche en sifflotant. D'accord. Bon, y a peut-être moi, je peux peut-être faire un truc, même si c'est pas GG. Mais... Informatique. Ouais. Bah, ça, je suis en train de rechercher l'info, c'est dans quoi? Ça, c'est vrai, on a aucun expert en informatique. Hacking. Hacking, enfin programming ou hacking. Oh, ça change rien pour moi. Ça fait, toi, c'est un truc, où j'ai zéro de base, donc. Non, donc tu sais pas le faire en fait, du tout. Ouais, c'est le hacking et le programming. Faut avoir un pour connaître. C'est ça. Ok. Ouais, bon bah je sais pas. Même Gojo, il a pas de compétences en informatique. Il me semblait qu'il était un peu intelligent, lui, non? Gojo, il va dire moi je sais ouvrir les portes par il est les communications. Ou à part, je peux. Alors, est-ce que tu m'autorises à dépenser les 10 points d'XP qui me restent pour passer de 0 à 1? Oui. Ok. Ouais. Le mec, il lit un bouquin en 2 speed, la programmation pour les nuls. Ouais, c'est ça. vous voyez que. C'est du 0, tu sais. William sort un bouquin, c'est plus pour les nuls, je sais pas quoi. C'est ça. Je vais mettre ça en main. Tac. Et vas-y, je lance le dé. C'est pas ouf ce que tu fais. C'est pas ouf. Bon, sinon, on peut passer cet appel depuis notre petit vaisseau. Oui, loin d'ici. Dans tous les cas, voilà, enfin, je peux le contacter et ça fait toujours un contact. Le gars, enfin voilà, on est d'accord, hein, le gars il me considère comme un très bon pote. Hein. Oui. J'avais gagné pas mal de Ouais, t'avais gagné pas mal de fric avec lui, tu traînes dans les bars avec lui, c'est voilà, Pancho, c'est un pote pour toi. Voilà, c'est ça. Donc au pire. Ça peut être un contact pour faire entrer peut-être un de vos gars là dans le gang des bananas avec eux, quoi. Cette idée pue la merde, si tu veux mon avis. On verra comment se passera la discussion avec lui, surtout pour ce genre de choses. Fais attention à ce genre de propos, s'il te plaît, Soccer.
Pardon. C'était dit, ne sent pas très bon. après, voilà, quoi. Moi, je. Voilà, c'est un truc. Ou ensuite, je sais que vous, personne de gang, vous avez peut-être une dent dure contre les Bloods, mais si les pirates ont réussi à les recruter, peut-être que si on fait une contre-proposition aux Bloods pour nous les recruter, okay, et que vous êtes d'accord, ça peut changer la situation, parce que ça veut dire qu'on arrive à recruter des personnes qui savent où se trouvent les pirates, qui ont des informations en interne chez les pirates. Ça fait beaucoup quand même. Je sais que vous n'aurez peut-être pas entièrement confiance en eux, mais sûrement eux ont peut-être du mal à vous faire confiance aussi. Mais il y a moyen de jouer là-dessus et de réussir à affaiblir les pirates un bon coup, quoi. Ah, tu vois du coup que Meron va regarder Yamamoto. Yamamoto va du coup lui dire la sécurité du maestro passe avant tout. Et Meron va du coup faire oui de la tête, dire je suis bien d'accord. Si vous arrivez à rallier les Bloods à notre cause, alors au moins le temps de la bataille, on fera voilà. On fera copain. Très bien. Je promets rien. Vous savez que je suis pas. Je peux rien. Enfin voilà, je peux rien promettre, mais je pense que au niveau où on en est, il vaut mieux jouer sur les cartes, enfin cartes sur table et essayer de jouer cette carte qui me semble peut-être instable, mais qui nous permettrait quand même d'avoir un gros avantage derrière. Quoi. Très bien. Adèche, tu vas aller avec eux. Très bien. Comme ça, s'ils ont besoin de quelqu'un pour infiltrer les Bloods, je pense que tu es la meilleure personne. Très bien, je vous recontacterai avec mon bananaphone. Je vois, tu sais, le gros projecteur, c'est de Batman, mais avec une banane en l'air. Puis je sors de ma poche un téléphone, mais en forme de banane. Je tire un peu sur le bout, ça fait une antenne. C'est pareil. Ou au pire. Pratique quand même. Après réflexion, peut-être que les bananas pourraient faire semblant de vouloir les rejoindre. tu vois que les bananas du coup se commencent à regarder tous Meron. Et Meron du coup va dire si cela se passe mal et qu'on les rejoint, nous serons obligés pour notre propre survie de combattre dans leur camp. Très bien. On va éviter ce genre de choses. Ah, j'ai bonne foi en nos capacités pour réussir à convaincre les Bloods de changer de camp et de venir avec nous. Bien. Eh bien, bonne chance, messieurs. Je m'avance vers Marron et je lui serre la main en le remerciant. Tu vois qu'il te serre la main aussi. Et puis du coup, t'as tous les mecs du gang de la banane qui viennent te serrer la main, en fait. Nice. Allez hop. Une demi-heure plus tard. Et du coup, après que tout le monde ait serré la main à tout le monde, vous pouvez quitter le vaisseau. Je m'avance vers William et je lui donne une petite tape dans le dos. Vers qui ? Vers William. Je lui donne une petite tape dans le dos et je lui dis bien joué. Voilà, toi, je sors une cigarette, je l'allume, je fais. Toi, je prends une taf et je fais. Ouais, enfin bon, ça c'était la partie simple. Après le reste, ça sera un peu plus mon affaire. Je m'en sors une clope aussi. Il se met tout ça fumer, tu sais. Du coup, il y a la moto, non. Il sort un cigare. Non, moi je vais rester à côté d'Akari et je vais lui demander si tout va bien. Oui, tout va bien. Ça va, vous avez l'air de bien vous en sortir. Oui. On verra ça plus tard. C'est ce que je chuchote. J'aurais une question pour Akari. Enfin, je vais tomber à Akari. J'aurais peut-être une question. Tu comptes nous suivre tout le long de.
Bah, je dois cette affaire ou... rester à côté de mon chevalier si je me fais attaquer. Elle est en bonne situation ici. Je peux la défendre. Enfin, je relance une taf et je fais de toute façon entre Isoka et vous, Daiki, je pense qu'il n'y a pas de problème. On a quand même les deux bons pilotes. Dans le feu de l'action, j'aimerais bien. On est certain de pouvoir assurer ça. J'aime bien quand tu dis deux bons pilotes, tu vois Sekai et Yamamoto qui se tournent vers toi en mode quoi. je la regarde et toi, je vois bien le truc, je fais. Désolé, je vous ai jamais vu piloter Sekka et Yamamoto. Enfin, je vous ai vu quand même pour prendre une latte par Isoka, quoi. Disons que c'était quelqu'un qui m'a appris à piloter. J'avais un grand sourire avec quand il a dit ça. Je pense même que j'avais un petit fou rire. Ah bah, pour le coup, c'est la réalité, quoi. Isoka, tu t'es déjà battu contre Sekka en plus, il me semble. Non, j'ai battu contre Sekka. Je pense qu'elle m'aurait battu. Ouais, tu me dois un duel d'ailleurs. Pourquoi? Mais on verra pourquoi ça. On verra ça après la bataille. Pourquoi pas? Après, je pense pas que j'irai votre terre. Oh, si tu montres ce que tu as montré la dernière fois, t'auras peut-être quelques chances de gagner. Bon. La tête d'Isoka, c'est come here. Donc ensuite, voilà. Donc après ça, vous allez retourner dans le vaisseau avec cette fois-ci Yadesh. Voilà. Dans ce qui va sûrement devenir. Voilà. Donc Yadesh, quand tu arrives dans le vaisseau, hein, tu vois qu'il y a deux mechas accrochés. Hein. Enfin, t'as deux mechas accrochés au vaisseau. D'ailleurs, je vais les afficher, les deux mechas. Mm-hmm. Voilà, les deux mechas qui sont accrochés, c'est pas n'importe lesquels non plus. D'accord. Pas... Ouais. Tac. Voilà. Basiquement, en fait, il y a ces deux mechas là. Wow. Voilà. Et lui, c'est. D'ailleurs, le wow, deuxième. Le style. Voilà, le deuxième mecha. Voilà, ils sont accrochés. Bon, après, ils font la même taille que les autres. Hein. Oui, oui. Ils sont accrochés sur le vaisseau. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi que le deuxième, hein, le Majestic Cuprins. Comment dire, le Majestic Cuprins, vous pouvez voir qu'il a. Vous voyez pas là? Ah, c'est parce que tac, hop. Faut que je fasse ça. En fait, le mecha qui est là, vous pouvez voir qu'il a une immense épée dans le dos. Ok, donc voilà. Adèche, tu arrives dans le vaisseau. Bon, pour l'instant, vous allez vous éloigner un petit peu. Et j'imagine que tac, William, tu vas pouvoir passer ton appel. Ouais, ouais, ouais. Je vais vous rassembler dans le cockpit, tout ça. La war. La war. La war. La war. Je me repoussais la dèche et je fais. Prénom me dit quelque chose quand même. Ah bon? Est-ce que t'aurais été avec un certain Osamu? Même un Jirak Ropesu? Peut-être? MJ, encore MJ. Oui, tu connais. C'est Osamu et Jirak, c'est les deux qui t'ont. Pendant la partie de la prison. Les deux autres joueurs qui étaient avec toi. Ah oui. Oui, d'accord. Mais en soi, je les connais. Ouais, tu les as vus 5 minutes, quoi. Voilà, t'as vu un mec arriver, distribuer des BN à tout le monde et un autre qui veut de la guitare, quoi. Ouais, je les ai vus en réunion 2 minutes avant, quoi. Distribuer des BN avec une Gatling, quand même, c'est... Non, les BN, c'était moi qui... On me les avait donnés. Voilà, mais Osamu est l'homme qui t'a donné les BN. Donné voilà. Mais en soi, je les ai vus vite fait et puis au surf, quoi. Donc oui, oui, c'est... J'ai eu une affaire avec bon, Yamamoto se rappelle bien. Ça me fait plaisir de voir que je peux compter sur vous. Quelle est la destination? Messieurs, quelle est la destination? Tout le monde se tourne vers William. Bah voilà, destination, il faut que je passe l'appel. Ah, très bien. Je vais faire en stationnement. Bah ça, mets-toi en stationnement. On va dire, on s'est éloigné là, je pense, du vaisseau banane. Enfin, voilà quoi. Prends soin de mon vaisseau quand même, hein, Isoka. Si on devait avoir une promotion, j'aimerais bien. Ne vous inquiétez pas. Enfin, ne t'inquiète pas. Excusez-moi l'habitude. Ok.
Bon, bah, je vais faire l'appel à un ami. Ok. Bah, tu appelles et du coup. Allô, William ? Ça va tout le temps ? Ouais, ça va, ça va. Et toi, alors ? Oh, tu sais, moi, les affaires, toujours, hein. Ouais, c'est ça. Bah, je t'appelle, entre autres, pour les affaires. Ah ! T'as besoin de quoi, dis-moi ? J'ai eu une petite info là, comme quoi tu connaîtrais certaines personnes qui pourraient m'intéresser à connaître aussi. Des personnes bah, je connais pas mal de monde, ouais. Ouais. Tu pourrais rencontrer qui Polo, Jimmy. Ah, c'est pas des gars de des bandanas. Ah. On m'a dit que tu aurais des fréquentations avec les Bloods. Les Bloods. Enfin, pas vraiment, non. C'est pas un nom. Donc, t'en connais alors. J'en ai rencontré deux ou trois, hein, et puis il y en a de chez nous qui se sont barrés, quoi. Ah bon ? Récemment ? Oh, ça fait un moment déjà. Ok, ok. Alors, ce truc, c'est que je pense que j'aurais quand même pris un peu les infos que m'aurait dit Zoka avant, parce que j'ai plus tout en voilà. Tête, mais... Voilà, dans les infos que t'aurais donné Zoka, tu lui aurais expliqué la vision, c'est ça ? Oui, tout. Voilà, t'aurais vu clairement, en gros, la vision montrait clairement plusieurs membres du gang des Bloods s'agenouiller devant la personne qui a insulté Tenma et Poncho. Et devant Poncho aussi. Il s'agenouillait okay. Devant la personne et devant Poncho en même temps, ouais. Voilà. Pas forcément okay. Pour moi qui m'a insulté, c'est... Mais... Oui. Ok, ok. Je fais... Ouais, non, mais... T'as sérieux, t'as... La fais pas. Je pense que on commence bien à se connaître. Je sais que quand t'es en train de me pipoter, là. William, c'est pour ton bien que je te dis ça. Considère que je connais pas les Bloods. D'accord. Ah bon. T'as tellement que ça. J'aurais besoin d'un petit accès pour les Bloods là. J'ai un travail pour eux et je peux pas passer par un autre gang. Et tu veux quoi? Tu me connais, enfin, j'ai pas mal de contacts avec les gangs et j'ai un gars d'un gang qui commence à avoir des problèmes avec son gang et qui veut aller ailleurs. Donc il passe par moi pour faire un peu l'intermédiaire. Donc non, mais voilà, j'ai fait tirer un peu les ficelles à droite à gauche et ton nom est apparu. Ah, alors là, je sais pas trop comment t'as réussi à trouver mon nom. J'ai pratiquement aucun rapport avec eux en fait. Ah bah alors on m'a dit des conneries alors. Ouais. Donc, alors quand on m'a donné ton nom, moi je me suis dit bingo quoi. Ouais, non. Je sais pas si tu penses que j'ai trahi les bananas ou quoi que ce soit, mais non, pas du tout. Les bandanas. Ah, ouais, les bandanas, excuse-moi, les bandanas. Les bandanas ou quoi que ce soit. Non, attends. Je sais que tu vas pas traire les bandanas. On m'a dit que tu avais des connaissances Bloods. Moi, c'est. Voilà, il me faut un nom Bloods pour pouvoir faire intermédiaire, ainsi de suite, quoi. Et on m'a dit que tu t'en connaissais, quoi. Je remets quand même pas en question ton intégrité. Enfin, tu me connais quand même. Non, mais oui, je te connais, William. Mais moi aussi, je sais quand est-ce que tu essaies de pipoter. Si tu veux quelque chose, dis-le moi juste clairement. Je l'ai dit clairement. Il me faut un contact chez des Bloods. Faut que tu discutes avec les Bloods. Faut que tu discutes avec les Bloods. Ok, eh ben écoute, aux dernières nouvelles, d'après ce que je sais, ils sont actuellement dans le vaisseau des pirates, ceux qui vont attaquer le maestro.
toi là, je vais faire un fake, toi, je vais... Tac. Tu me pipotes pas là. Non, pas du tout. Sérieux quoi. Les gars ils ont retourné leur veste comme ça là. Ils ont jamais annoncé dans quel camp ils se battraient. Ouais, enfin bon. Puis bon, c'est quand même des traîtres à tous les gangs. Et vous le prenez comment vous là chez les bandanas là de savoir ça. Bah écoute, c'est les Bloods quoi. Hein. Nous on est en train de préparer les affaires. On va pas rester ici pour le combat. Ça, tu vas pas rester? Tu vas pas essayer de protéger tes. Vous allez pas essayer de protéger vos familles, vos revenus et tout ça quoi? Non, c'est pas trop pour nous ça. Bah, me dis pas que tu vas aller bosser pour les pirates quand même. Non, moi je vais simplement. Non, actuellement j'ai pris les gars et on se casse. Je regarde quand même s'il me pipote sur le coup, enfin je voudrais bien savoir si. Fais-moi un jet de human perception au téléphone. Alors attends, passe. Tac tac tac. Human perception. Éventuellement, j'aimerais bien tenter aussi s'il y a le haut-parleur. Ouais. Moi aussi, j'aimerais bien tenter s'il y a un haut-parleur. Ah bah, si vous... Ouais, ouais. Ok, bah oui, vous pouvez tous tenter, alors. Le but, c'est que tout le monde soit au courant de ce qui se dit et qui... Alors... Genre, qui me donne des infos sur la discussion et tout ce que j'ai besoin de... Alors, Hisoka, tu ne sais pas du tout. William, c'est... Tu ne sais pas vraiment comment le prendre. Adesh et Tenma... Il dit pas tout. Enfin, voilà, il dit pas tout. Il y a des trucs chelous dans ce qu'il dit. Je fais un signe à William et je lui fais un petit signe de la tête. Ouais, en gros, tu me fais le signe que y a un truc qui se passe pas. Voilà, c'est un... Il dit pas tout. Ok. Bon, sérieux, enfin. Oh, mon pote là, c'est si tu te barres, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que je dois faire quoi? Parce que sérieusement, de tous les gangs, le gang des bandanas, c'était celui-là quand même. Je pensais aller défendre ses positions et tout ça quoi. Et que tu te barres, ça me fait bizarre. Est-ce que je dois avoir peur? Est-ce que je dois Est-ce que je dois faire partir ma copine là? Donne-moi un truc quand même. Ouais, je peux peut-être te filer un truc sympa. Je t'envoie des coordonnées, rejoins-moi. Ok, t'es tout seul ou Je serai avec les gars du groupe. Il sera avec les gars du gang, c'est ça qu'il a dit? Ouais. J'ai pas entendu. Oui, il a dit, je serai avec les gars du gang. Ok, je serai pas tout seul, hein. J'ai ma petite équipe là à côté et j'ai mon transfuge. Donc on se voit là-bas et on voit un peu ce qu'il y en est. Ok? T'inquiète pas. Viens armé, la zone est plutôt dangereuse. Armé? Ok, d'accord. Tu vois, il t'envoie des coordonnées, il raccroche et tu reçois des coordonnées, c'est dans l'espace. Et c'est pas très loin. Ok. Non, c'est pas très loin. C'est assez bonne distance pour pas se faire prendre, pour pas être à portée de capteur de ce vaisseau, mais c'est pas très loin du vaisseau pirate. Je vais dire à Yamamoto de peut noter ses coordonnées quand même. Pour la suite. Bah, c'est là-bas qu'on se rend, non? Oui, non, mais je veux dire... Je vais... noter ses coordonnées dans un dossier, hein, tu vois. C'est ça, ce que j'allais dire, moi je vais envoyer les coordonnées à ma copine. T'es un peu à ma place, Yamamoto, tu devrais savoir ce qu'il faudrait faire. Bah, je sais pas vraiment, mais je pense que...
Je pense que là, tout de suite, il va falloir qu'on aille négocier avec lui. Avec un peu de chance, il va nous ramener un Blood. Hein. Là, y a un truc à faire, mais ce qui est bizarre, c'est, enfin, voilà quoi. Pour le connaître bien, c'est quand même chelou ce qui se passe et. Parce que quand même, quand même que des Bloods se sont réveillés devant lui, quoi. Je veux dire... Mais moi, je me demande s'ils sont pas juste en train de faire, pour une raison ou une autre, la même chose que nous, d'essayer d'infiltrer les Bloods et les pirates. Bah, avec ta vision qu'on a vue d'Hisoka, je pense que. Avec ta vision, Hisoka, Oui. voilà, t'as vraiment vu les Bloods s'agenouiller devant Poncho. Ok, bah je leur redis en étant vraiment convaincu, ils se sont agenouillés, donc ils sont alliés. Oui, Bloods, ouais. Ou Pancho et enfin, ça m'étonnerait pas que Pancho ait pris la tête des Bloods. Juste Le comme ça, connaissant, les Bloods, ça c'était m'étonnerait pas qu'ils soient liés juste avec lui. comme Je pense ça, qu'ils sont plus tard. ils se sont agenouillés bien devant lui et une autre personne. Tout à fait, là. Et l'autre personne qui avait une iroquoise quand même. Ouais, une crête iroquoise blanche avec un air très hautain. C'est celui qui a menacé la Maestro. Ouais, C'est un des commandants des pirates, quoi. pourquoi est-ce qu'il s'est pas genouillé lui aussi? À mon avis, ils sont plutôt en. J'ai bien l'impression, je dirais qu'ils sont du même rang, du même. Peut-être parce que. Oui, effectivement. Bah voilà. J'ai bien l'impression que ce fameuse personne que tu connais, William, bah, c'est du mauvais côté. On va voir. Le problème, c'est. Pancho, je savais si c'était. Enfin, je savais que je me souviens, c'était un haut gradé des commandes. Pas du tout. Non, c'est pas du tout, non, c'est juste un. Pas du tout en Pancho. Non, 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 de ce que tu savais, non, non, c'est un lambda. Ok, c'est bien un lambda. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais quand même essayer de. Peut-être essayer de recontacter peut-être un si j'ai peut-être un deuxième contact chez eux chez les Voilà ça. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, tous ceux que tu vas essayer de contacter, en fait, soit tu auras des hors réseau, soit les mecs te répondront pas. Ok, d'accord. Tu vas pouvoir tous les essayer, hein, mais soit hors réseau, soit les mecs de l'autre Oui, te non, mais voilà, répondront mais c'est très bien, mais c'est au moins ça me dit je fais ok. Bon, clairement, il y a un truc qui se passe. Moi, j'y vais. Au pire, si vous voulez pas y aller, y a pas de souci, mais moi, faut que j'en sache plus, pour le coup. Si Akari me donne l'ordre, alors j'irai. Ouais, il faut y aller, je sais pas ce qu'ils veulent, mais. De toute façon, si on arrive à. Si c'est un des chefs et qu'on arrive à l'attraper, on pourra toujours l'utiliser pour. Voilà. Moi, je veux absolument aller. J'ai même une certaine affaire à régler. Et je pense qu'il peut être un sacré tremplin. C'est. Ok. Et ben, Moi, je suis aussi pour Bon. qu'on y aille. Je veux juste prévenir mon gang avant qu'on y aille. Ouais, tu peux donner les... C'est pas tous les jours qu'un des généraux de Cyberbarbe vient s'offrir à nous. Ce serait peut-être une opportunité d'affaiblir leur camp. T'es pas c'est ça, c'est un généraux. Ok, bah on va y aller comme ça. Ainsi. On y va sur le principe que Monsieur à la banane ici est sorti du rang et que on veut le faire, enfin on veut le passer du côté des Blouts. Et Juste comme ça. on verra ensuite ce qui réellement va me dire Monsieur Pancho. Très bien. Comme ça, au niveau de la stratégie, vous comptez tout sortir une fois arrivé là-bas ou... Je trouve que la stratégie. Je trouve que d'après ce que j'ai entendu, vous me semblez assez compétent. J'aimerais bien. Enfin, je compétence, mais juste. Je pense être un peu connu de ces autorités là-bas, donc. Bah, le truc, c'est que peut-être vous restez en arrière, prêt à utiliser les mechas si besoin, et moi peut-être Adèche, et je regarde Yamamoto en me posant la question, est-ce que Yamamoto peut passer pour un transfuge vu que lui il est recherché peut-être par les... Non, il peut rechercher quoi. Yamamoto, actuellement, bah, il est recherché, mais bizarre. Mais non, Yamamoto ne peut pas. Enfin, Yamamoto, le gang où il était, c'est les moustaches. Et clairement. Non.
Ça serait la personne au monde où ça serait le moins cohérent qui rejoigne les pirates. Si le mec connaît ce fameux pirate. Ouais, non, mais c'est ça. Mais je posais la question. Bah, Yamamoto est connu pour être pour avoir passé toute sa vie à essayer de les combattre à limite. Ok, d'accord. Non, il y a toi, moi, et si d'autres gens veulent, mais c'est bien qu'il y en ait qui soient près des mechas au cas où. Bah, c'est ça, ouais. Je suis assez près de mon petit mecha, puis surtout que c'est exactement ce qu'il faut. Enfin, je commence à regarder par la fenêtre et je suis à dire. Bah, de toute façon, voilà, les seules personnes. Enfin, les seules personnes, non, les bonnes personnes qui sont capables de piloter les mechas rapidement et pouvoir réagir, c'est toi, Daiki, Soka, Yamamoto et Seika. Et je pense qu'à Desh et moi, on serait peut-être mieux à aller et essayer de discuter. Quoi. Je préfère être au contact des gens, c'est là où j'en apprendrai le plus. Ok. C'est gênant parce que c'est un peu aussi ce que je voulais faire. Mais on peut y aller à plusieurs, hein, mais c'est juste que moi, avec un mecha, je vais pas savoir quoi en faire. C'est surtout que je risque d'être connu, en fait. Bien, simplement, on n'a qu'à envoyer Adesh. Adesh et William sont pas connus, il me semble qu'ils sont cas non plus, non? Non, je ne crois pas. Moi, je suis quand même chevalier. Bien... Ils m'ont peut-être vu, mais en soi, on part du principe que je veux quitter les bananas, donc c'est pas... Je sais pas si le pirate, quand il m'avait contacté, je sais pas s'il savait que j'étais... Bien, moi, sinon, je pourrais... je pourrais rester... je pourrais aller avec eux. Ma tête est pas vraiment connue. Et puis, en cas de... Enfin. À dire que si ça pétait à bord, au moins, je pourrais les protéger. Je peux toujours les couvrir avec mon méca de loin. Oui, mais là, on parle d'aller discuter directement avec eux. On va sûrement entrer sur leur vaisseau. Aller dans leur vaisseau, ouais. Je dois rester avec Akari, moi. Donc, si tu veux nous couvrir avec ton méca dans leur vaisseau, faut ouvrir le vaisseau. Oui, voilà. Je vais pas. Je pensais qu'on allait pas vraiment dans leur vaisseau. Mais... Non, vous en faites pas. Je vous couvrirai à l'intérieur du vaisseau. Ok. Elle avance. Merci. Elle avance et vous voyez qu'elle fait juste. Comment dire, vous voyez qu'elle fait juste taper. Enfin, elle va taper sur ses points en fait, et vous allez voir une espèce de petite barre laser qui va apparaître au bout de ses points. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Je suis désolé, mais j'ai envie d'y aller. Je suis pas hypé comme ça, mais. Du coup, vous allez vous rendre là-bas. Hein. Ouais. Donc avec eux, alors je reste à Gakari. Toi, tu restes à Gakari du coup. Ouais. Ouais, je pense que vous restez à l'intérieur. En gros, Tenma, Yamamoto et Hisoka avec Akari dans le vaisseau, et Sekai, William et Adesh qui vont aller négocier. Vous avez rempli votre testament? Bien sûr, j'ai tous les gays à quelqu'un. Je ne demanderai jamais mes potes derrière moi. Je suis désolé, mais la brigade Kokoro, je prévois pas de mourir ce soir. Faire un testament, c'est... avoir l'éventualité d'un échec. C'est jamais mon cas. C'est vrai. Vous êtes un peu jeune pour écrire votre testament, les gars. Ouais, et puis pour l'instant, ma brigade n'a jamais connu le schedule. Quoi, on ferait notre première fois ici. Bon, okay. Allons-y. Du coup, bon, quand tu parlais de testament, tu vois quand même qu'Akari a peur. Hein. Madame Akari, n'ayez crainte. Tout va bien se passer. Oh, attends, quoi, j'aurais pas dû sortir les mechas tout de suite, attendez. Non, c'est... deux secondes. Spoiler alert, il y a trois mechas énervés. Ce qui aurait été marrant, c'est qu'ils sortent les mechas de l'autre côté et qu'on en voit quatre. Ah non, mais là... Là, j'ai un petit truc, si ça met sur des mechas, mon gars. Ah non, mais là, vous voyez le vaisseau de l'autre côté, et comment dire, sur le vaisseau de l'autre côté, en fait, vous voyez qu'il y a quelque chose au-dessus. Je connais ça. Il y a un très gros méca dissonant posé dessus, du coup. Oui, ce que j'allais dire, ouais. Ah, j'allais dire qu'il y avait un problème de taille, mais il n'y a pas de problème de taille. Non, il y a un méca dissonant qui fait cette taille-là, exactement, qui est posé au-dessus, et du coup, vous recevez une communication de Pancho en mode très bien, si vous voulez venir discuter, prenez une capsule et on vous attend ici. Je suis à Tadej, j'aimerais bien faire ça sur une. Pardon? J'aimerais bien faire ça assez loin. Si jamais c'est possible, je pense qu'on a. J'entends pas ce que tu dis, t'es coupé toute la fin. Tu coupes pas à la fin, ouais. Dès que, ouais, on va faire ça dans une capsule, ça me dérange un peu de qu'ils partent aussi long. Ouais, mais bon. Si vous voulez, je peux me placer de manière à ce que la vision ne soit pas trop. On peut pas nous voir pour sauter les mecs éventuellement.
Tu peux, si on envoie la, on envoie la capsule, si tu peux approcher peut-être. Ouais, d'accord. Je vais essayer de me rapprocher pour pas qu'ils aient une vision dessus. Ok, d'accord. Donc tu t'approches le vaisseau en mode j'approche le vaisseau pour avancer la capsule, quoi. Voilà, c'est ça. Et ici, là, à partir de là, je laisserai sortir les mecs là qui veulent. Ok, très bien. Et du coup, là, tu sors la capsule. Et... Ah, d'accord. Vous voulez sortir la méca en discrétion, c'est ça? Ouais, voilà. Y a quel méca qui va sortir? Ok. Choisis. C'est à vous de décider. Je pense qu'on pourrait faire sortir. Après, tu sais que là où il est déjà en fait, il est déjà pratiquement dans l'espace. Le Naut, t'as juste un bouton à appuyer et t'es sorti quoi. Genre, tu peux aller dans le Naut, te mettre dans le Naut, de sorte à ce que t'aies un bouton à appuyer et tu sors. Et t'es pas l'air d'être en dehors du vaisseau en fait. J'ai envie de lâcher un petit leadership à Sekai. Ah, Sekai, elle va dans la capsule. Hein. Et Yamamoto. Leadership à Yamamoto. Bah, Yamamoto, tu peux le lâcher un leadership. Voilà. Je fais leadership sur ton boss. Du coup, c'est pas mon boss, tu le connais pas. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est plus ton boss, du coup, tu le connais pas. Bah, du coup, Yamamoto va te regarder d'un air entendu et il va aller dans le Majestic Prince. Ah oui, il prend ce méca là quand même. Il aurait pris bien. Monsieur prend ses S quoi. Majestic Prince, c'est pas un méca. Ouais, c'est pas un méca, ouais. Donc, pendant ce temps-là, vous prenez la capsule, les trois autres. Tac. Donc, vous prenez la capsule et vous entrez. Vous entrez dans un vaisseau, enfin dans l'autre vaisseau. Il vous ramène directement sur le cockpit. Donc, je vais vous TP. Voilà. Il vous ramène sur le cockpit et du coup, à peine arrivé sur le cockpit, t'as Pancho qui vient vers toi. Ah, William ! Alors. Hey, Pancho. Et tu voulais un coup de main, c'est ça ? Ouais, mais. Je regarde autour de moi et je fais. Tu as évolué là, je vois que t'as du rhumatos là. Ah voilà, ah oui non mais ça c'est rien, c'est un petit vaisseau ça. Ah bah bon, ça, les bandanas sont bien plus aisés que je pensais. Je devrais faire payer plus souvent mes réparations. C'est ça qui rigole, il rigole et dit bon, bah... J'ai ici ce que tu veux. Enfin, pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Tu veux ? Ah. Tu vois qu'il te regarde encore une fois, il dit par contre, il va falloir y mettre les formes. Alors, bonne chance. Et il commence à écarter les bras. Et tu le vois littéralement... rentrer à l'intérieur, passer à travers le sol. Ok. Tu le vois littéralement passer à travers le sol. C'est... Ouais, mais ok. Ouais. Je pense qu'il y a un petit moment de flottement quand je commence à voir ça. T'as un moment de flottement en fait, et au moment où tu fais ça, t'as tous les bandanas qui commencent à pointer leurs flingues sur toi. Ah. Ça, je lève doucement les mains. C'est sérieux quoi. Il y a peut-être dans les bandanas, il y a peut-être des gars que je connais, que j'ai pu faire la fête. Comme ça, ouais, tu les connais tous. Hein. Ouais, les potes, les gars. Ça, je fais putain, mais les gars quoi. Qu'est-ce que vous me faites Je vous ai énervé une soirée ou. Du coup, tu vois ce mec arriver, un bandana que tu ne connais pas. Pas très bien. Voilà. Je lève un sourcil, quoi, en mode tiens, c'est quoi. Tiens, en homme. Tu vois qu'il te regarde, il te regarde, du coup, et il fait un signe de tête à lui, qui appuie sur plusieurs boutons. Et du coup, il te dit très bien.
Vous êtes très bien. Vous êtes venu pour quoi exactement? Toi, je dois la main levée, je fais. Je peux les redescendre ou. Vas-y, vas-y. Je descends, je commence à sortir une clope, quoi. Je l'allume. Je t'ai fait un bon coup, je fais. Ah, il m'a donné un coup de stress, là, les gars. Putain. Comme je l'ai dit à Pancho, quoi. Je cherchais un Bloods pour discuter avec eux, quoi, pour pouvoir faire le lien avec mon collègue là, enfin le gars qui souhaite changer un peu de crémaillère. Je fais signe. Okay. tu vois qu'il te regarde, il te regarde, tu vois qu'il te regarde, il sourit un peu et dit. William Vanguard, avec Adesh Kitano et Sekai Kokoro. Vous travaillez tous les trois pour la compagnie, c'est ça? Et là, tu vas voir que le mec, il va commencer à lâcher vos adresses et pas mal d'informations personnelles sur vous. Toi, je fais les yeux un peu noirs, quoi, et je fais... qu'est-ce que tu veux cette démonstration de... De qui est la plus grande là, ça te va, mais qu'est-ce que tu veux? Oh, je sais. Du tout. Du tout. Ce mec connaît plein de trucs. Enfin, voilà, ce mec va sortir plein d'informations sur vous. Vous connaissez pas, du coup, il va dire non, je suis simplement les ordres de Pancho. D'ici quelques secondes, nos hommes vont aller attaquer les vôtres. D'ici quelques secondes, nos hommes vont aller attaquer les autres. Ne réagissez pas. Et en quel honneur? Bien, si vous avez confiance en Pancho, ne réagissez pas. Faut qu'on transmette à l'équipage? Non. Et là, du coup, et là, voilà, le gars il te dit non, tu vois que d'un seul coup, il va. D'un seul coup. Tu sors ton. Tu vois que ton téléphone en fait se met un petit peu à griller. D'accord. Non, mais par contre, téléphone, bref, oui, je vois l'idée, mais c'est pas sûr que j'en ai. Enfin. Voilà, le bananaphone. Tu vois que en gros, toutes vos communications sont coupées en fait. Très bien. Ok. Tiens, un truc tout con, on n'a pas été fouillé avant de rentrer. Non, vous avez vos armes. Ok, d'accord. Non, mais voilà, je pose la question. Hein, c'est... Non. C'est dans ton équipe quand même, tu peux. Non. C'est qu'il peut tout péter là. Ok, d'accord. Non, mais voilà, c'est des trucs tout cons. Là, tu sais, je vais faire. Moi, Samga, on est là pour discuter affaires, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tellement envie de discuter, Samga. Je prends ma clope qui est allumée et genre je la balance en pichenette vers le gars, quoi. Tu la balances en pichenette vers le gars, ok. Et du coup. Et du coup, je pense que je vais sortir mes armes, hein, parce que. Ok, vous sortez les armes. Qui est pour pas. Bah, ok. Je vais regarder. Je vais regarder, c'est quoi, c'est Seika qui est à côté de moi, c'est ça. Je vais regarder ça, je vais regarder Seika et je vais faire un bon, voilà, toi, genre les yeux en mode, bon, je vais jouer le gros dur, quoi, mais j'y crois pas trop, quoi. Ouais, non, mais voilà, en fait, le truc, c'est que voilà, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où tu vas la regarder avec ces yeux-là, un test d'init va être fait. Je peux pas dire, hein, mais c'est bizarre que le mec, je sais plus comment il s'appelle, celui que t'as appelé, mais. Qu'il dise de venir armé, quoi. Hop, mais vous pouvez faire voter d'élite. Mais chute, Tenma. Moi là-bas, je voulais pas me battre, mais d'accord. Voilà. Non, mais vous en faites pas, vous êtes avec une machine de guerre. Alors, l'élite, c'est comment déjà? Faut me rappeler un peu. Je suis désolé, un des 10 plus réflexe. Un des 10 plus réflexe. Donc, un des 10 plus. Un plus 6. Ok, d'accord. Comme d'hab.
Oula mince. Oh merde, l'erreur. Attends. Ah oui, ça a qu'à 11 de réflexe. Attends, elle est vénère, hein. L'attendez, elle est vénère. C'est notre maîtresse, hein. C'est elle qui nous a pris une balle dans la brigade. Donc. Oula, oula, attendez, j'ai fait une connerie là, j'ai fait une grosse connerie là. Tac. Ctrl Z, si jamais tu peux. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai fermé. Attends, mais du coup, il se met sur quoi? L'image revient. Très bien. Oui, depuis tout à l'heure, le stream il est un peu. Ouais, non, mais tac. Putain, on part pour se foutre sur la gueule. Moi, je comptais juste aller traverser la pièce pour choper une chaise et m'asseoir à la base. Oui, non, mais moi, à la base, je pensais pouvoir discuter un peu plus longtemps aussi. T'inquiète pas. Ouais, non, mais. Ça non, mais pour l'instant, je fais confiance à Poncho, moi. Voilà, il t'a dit de venir armé, tu vois, c'est ça qui me paraît chelou. Genre, tu sais, si tu fais ce genre de trappe. Oh mec, ouais, viens avec tes armes quand même, quoi. Parce que oui, non, c'est... Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi, donc le gars il m'a dit de venir armé, bah je vais réagir comme quelqu'un qui est armé. Non, mais oui, mais enfin voilà, mais c'est bizarre que le. Enfin, je veux dire, Poncho il sait très bien que. Ça, tu vois, qu'ils allaient t'attaquer et tout, tu vois. Pourtant. C'est pour ça, je. Pour le moment. Ok, donc on a Sekai qui est à 16, on a William qui est à 8, on a Adesh qui est à 9. Ok. Ouais, je réussirai jamais un test d'initiative très, très haut à chaque fois. Une foire à chaque fois là-dessus. Très bien. On a combien de mecs là, banana là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je vous propose qu'on fasse un truc. Donc, je garde ces inits là de côté. Il va y avoir un combat de mecha. On règle le combat de mecha. Et ensuite, on fait ce combat-là. D'accord? Ok, de toute façon, c'est toi qui décide. Toi le chef. Ok, après. Ok, très bien. Alors, du coup, là-dedans, enfin, voilà, ce que tu vas voir, Tedma, c'est que tu vois le gros. Tu vois le gros? Oui. Bah, le gros, il commence à se diriger vers vous. Je regarde. Enfin, je question avec Isoka, je dis bon, bah. Je me souviens que t'étais un bon conducteur, donc je compte sur toi. Oui, mais j'ai plutôt une autre idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer le pilote automatique pour que le vaisseau parte automatiquement. Je vais vers le Sky Banana. Vers le Sky Banana. Commandes... Ah, vers le Sky Banana, ok, d'accord, très bien. Et tu vas sortir le Purple Comet. Ouais, voilà, je vais sortir. Ok, très bien. Donc du coup, on va bel et bien avoir un combat tel que je l'avais prévu. Avec t'inquiète. Le Purple Comet, le Majestic Cuprits et le Naut. C'est un des 10 plus réflexe. Un des 10 plus réflexe plus. Bah non, c'est un test de mecha piloting, hein, donc c'est un des 10 plus réflexe plus. Le Naut, il est à. Le Naut, il est à moins 4. Plus sauf moi, je crois. Le Naut est à moins 4. Le Purple Comet, il me semble qu'il est tellement pété qu'il a un bonus. Ouais, il a plus 5, je crois. Et le Majestic Prince. Non, il a plus de le Purple Connect. Et le Majestic Cuplitz. Okay. Oh, le Majestic Cuplitz, il a été upgradé. Ok. Donc c'est. Je perds 1 des 10 plus 10 plus 2. Il s'est chié, il y a ma moto. Il y a des écarts dans vos résultats quand même. Hein. Hop. Ah, vous voyez, je suis chaud là. Vous voyez d'un coup qu'ils ont qu'à échanger. Je sais pas pourquoi, mais il y a un cheveu blanc qui est poussé. J'ai oublié le principe de mon mecha, c'est que. Mais le mecha en face, il est hyper lent. Ah bah voilà, t'inquiète pas. Vous allez pouvoir jouer deux fois avant qu'il joue une fois. Ok, il est mort. Du coup, le Majestic Prince, il est à. Il est à. Tac, il est à 9-4, il a 5. Hop, le Naut. Le Naut, il a 10. Et le Purple Comet, il est à 19. Je suis vénère. Je suis vénère. Voilà. Ok. Donc, du coup, Purple Comet, premier avancé. Bon, j'ai pas le contrôle sur ta canne. Ah, merde. Pas de soucis. Moi non plus. Tac.
Hop, Alors, ça c'est. qu'est-ce que j'ai comme arme encore? Tac, tac, je regarde rapidement. J'avais une épée, il me semble. Ça fait longtemps Avec. que... Non, je t'ai donné le contrôle du Majestic Prince. Moi, je vais te donner le contrôle plutôt du Naut. Alors, additif and shift. Non, système. Ah oui, c'est vrai, donc j'ai les data. Donc j'ai ça. Ah. Je vais me saisir de ma gélatine. La gélatine. La galatine. La gélatine. Et je vais m'avancer devant. Je vais. Vous voyez que j'ai fait une petite pause. Et je vais passer d'avenir. Ok, bah vas-y, tu peux bouger de façon. Je crois que t'as énormément de mouvements en plus avec ce mecha. Ça fait longtemps que j'ai pas. Je crois que j'ai 10 ou 15. T'as 12. Non, t'as 16. Okay. T'as 16. Ok, bah 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais 12, 13, 14, 15. Je vais là. Ok, très bien. Le vaisseau, de toute façon, il est direction. Voilà, elle est toute seule dedans dans le pilote automatique. Du coup, le Naut. Ah, putain, je me souviens plus de. Tac. Ah, il l'a apporté. J'ai oublié qu'il était à portée jusqu'à là-bas. Oui, mais ça, oui, il est à portée pour pour ce que je pense. Est-ce que tu penses que c'est un one shot ça? Je tiens à rappeler qu'on est dans le vaisseau. Le but c'est pas de couper le vaisseau en deux aussi. Hein. Voilà, voilà. En fait, le délire c'est que il y a moyen que, vu la puissance du truc, comment dire, il y a moyen que le vaisseau derrière il soit affecté. Ah, j'aimerais éviter, pas détruire... peur. J'aimerais éviter de détruire, mais non, mais pas toi. J'aimerais éviter de détruire deux vaisseaux, quoi. Non, je pense que je vais juste tirer une balle de. Juste tirer une balle de sniper commune. Tu fais lequel, sniper Tu utilises lequel? L'ultra canon gamma 2.0. Ouais, je pense que je vais utiliser l'ultra canon gamma 2. C'est... Je crois d'ailleurs que j'ai des roquettes, moi, il me semble. Ouais, t'as des roquettes. Ah bah. Ah, par contre, t'as bougé trop lent pour utiliser tes roquettes en fait. Ah, ah ok. Par contre, de là, si tu ne bouges pas du tout, du coup, tu peux lancer deux balles d'ultra canon gamma 2.0. Ouf, attends. Oh. Ou alors une balle d'ultime canon, canon gamma. Non, mais lui. Oui, disons que c'est. Je vais peut-être détruire un astre. Ok, bah du coup, 1 des 10 moins 4, plus les bonus de ton ultra canon gamma, qui sont de. Ultra canon gamma. Donc 1 des 10 plus 9. Et une autre du coup. Ouais, une autre du coup. Oh, il a fumble! T'es en forme aujourd'hui? Oh, il se le mange! Bon bah. Bien sûr, hein, je suis un sniper, je vise la tête. Hein. Flanc gauche. Ah. Non, tu. Ah non, fallait que tu te mettes un malus pour viser. Hop. Ah. Ah, du coup, il va se manger. Hop. Il va se manger des dégâts. Ah bah, tu n'arrives pas à passer son armure. D'accord. Bah. Oh, si. Oh, non, tu l'as passé son armure. Ah. Ouais, non, je lui ai fait un point de dégâts, mais. Est-ce que je peux reviser le même endroit? Moins 3. Ça se tend. Hop. Excuse-moi, c'est celui-là qu'il fallait lancer. Ah bah, je crois qu'il meurt. tac, bah écoute, non, du tout, hein. Non, même pas. Hein. Non, il va très bien. Comment dire, ouais, non, il va encore. Il a perdu un peu d'armure au niveau du bras. Voilà, c'est basiquement, il a perdu un peu d'armure au niveau du bras. Il a été légèrement endommagé en dessous de son armure. Mais ça va.
Ça va en fait. Voilà. Du coup, on va passer à Yamamoto. Yamamoto, il a combien de manœuvres poulet avec ça? C'est pas trop chaud lui. Ah non, mais Yamamoto, il a qu'une seule arme. T'as pas l'air quand t'as sneaké. Voilà, Yamamoto, il va se poser, il va se poser ici et il va dégainer la war. La La fameuse. war. La fameuse. La fameuse Vous war. étiez tellement inspiré quand vous avez choisi les noms des armes. Chut. On joue pas à Warframe, c'est faux. Je vois pas de quoi vous parlez. Ok, La galaxie de War. bah du coup il a fumble hein, donc Hisoka, tu as le droit à un deuxième tour avant qu'il joue. Hein. Bon, bah. Je crois que je vais pas bouger et... Je vais mettre mes requêtes. Ça envoie tes requêtes? Ok. Ouais, je pense que j'ai plus. J'ai. J'ai T'en envoies combien? J'en ai 6, il me semble, c'est bien ça? Requête, t'en as 12. 12. Je vais en envoyer 6. T'en envoies 6. Avec une action, t'envoies 6 requêtes. Avec l'autre action. Avec l'autre action. Avec l'autre action, bah. Si je suis à... je pense que je suis à l'espace pour retirer à l'usine, là. Ouais. Bah, je l'ai aussi, j'apprends. Donc, attends, je vais vérifier quand même, hein, mais. Attends, je vais voir Pas quand de même. comète, tac. Ouais, t'es à portée. Ouais, bah alors. J'envoie l'usine. Ok, bah je te laisse faire un jet de méca missile et un jet de méca. Un méca missile plus 2 et méca missile plus 2. Enfin, Mec à missile. méca weapon. Enfin. Je sais Mec à plus. missile, mec à weapon. Méca weapon. Non, pas weapon. Pas weapon, c'est méca Mec à missile. gunnery. Méca gunnery et méca Gunnery. missile. Ok, 2. Bah, moi Mécanicien 2. j'ai une question surtout, c'est pour les missiles. C'est pas les Mécanicien missiles qui fait des dégâts un peu plus haut vu que j'ai bossé sur sur son méca, que je suis un expert en démolition. Alors, non, sur le coup, t'as pas vu le Purple Comet depuis. Enfin, quand tu l'as vu, c'était encore le Red Comet, mais là, il ressemble pas du tout à ce que t'avais fait. Ok, d'accord. C'est pas du tout toi qui l'avais qui l'a retouché, celui-là. La version actuelle. Ok, il va se les prendre les 6. Voilà, malheureusement, aucun d'entre eux, je crois que tes missiles ne sont pas du tout assez forts pour. Sauf si un missile arrive à détruire son armure dans les endroits où Tenma a touché. Tac, les missiles font combien? J'en avais 6 au passage, je pense. T'en as envoyé 6. Ouais. Ok, donc ça va faire 6 fois. Tac, 6 fois. Attends, je suis sur le Red Comet là. Le Red Comet, c'est le Purple Comet, c'est deux armes différentes. Le Purple Comet est vraiment utile. Tac. 6 fois 3 de dégâts, donc elle est 6 fois 3 de dégâts, donc sur 6 locks, on va balancer. Hop. Alors, nacelle. Flanc droit, flanc gauche. Ah non, nacelle, c'est pas cockpit. C'est pas cockpit, hein. Je Non, le tue mais pas. flanc gauche, c'est moi ça. Non, 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 De mais. flanc gauche, c'est Deux pas flancs mal. gauche, ouais, bah deux flancs gauche. Du coup, t'enlèves 2 d'armure au flanc gauche. Un armure à la nacelle qui n'y en a pas, donc je vais mettre ça sur le torse. Encore un d'armure au torse et un d'armure au flanc droit, mais malheureusement, tu ne fais. Comment dire? Tu ne fais pas de. Je t'attends qu'agression, quoi, limite. Le délire, c'est que voilà, tu vas simplement endommager l'armure. Ok. Avec tes missiles. Qu'est-ce qu'il est là? Et du coup, Mecha Gunnery, il va faire aussi son test. Merde, plus 6, 10. Ouais, tu le touches aussi. Mecha Gunnery. Hop. C'est vrai qu'il est super long, ce mecha. Ah Nacelle, bah. donc torse. Et là, tu vas lui faire un petit peu de dégâts quand même, hein. Y a de la confiance, y a à l'intérieur de ce mec-là, règne de la confiance. À l'intérieur de ce mec, il y a de la confiance. Ouais. Ok. Du coup, c'est un out. Je peux bouger de 4 cases, je crois, il me semble. Tu peux bouger de 4 cases et tirer, oui. Éventuellement, essayer de chercher un angle où. Bah, si tu bouges là-bas, tu as un angle dans lequel tu peux toucher. Enfin, de 4 cases. Ici, là. D'ici. Ouais, tu peux. D'ici, tu peux tirer par là. Et essayer de viser le flanc droit. De sorte à ce que tu ne touches pas le vaisseau ennemi. C'est tentant, hein. Tu me. Le problème, c'est que s'il va là, il va automatiquement toucher
Astéroïde, non? Non, mais ça existe, il y a un fil d'astéroïde en fait. Ah ouais, non, mais tu peux. Non, mais avec ton truc, tu peux te mettre là et tirer à travers l'astéroïde sur lui, hein. Oui. Ah bah d'accord. Oui, okay. Voilà. En fait, tu vois, si je suis obligé de. Là, c'est parce que si je tire d'ici, c'est le vaisseau derrière, il va mourir, quoi. Ah. Ah. Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Non, je pense que je vais me mettre ici et puis je vais juste tirer une balle de canon gamma 2.0. Une simple balle pour l'instant. Une simple balle de canon gamma 2.0, ok, très bien. Je vais viser la nacelle. Ok, très bien, vas-y. Donc, moi, du coup, nacelle, il n'y a pas de nacelle. Il n'y a pas de nacelle, donc ce sera le torse. C'est torse. Ouais. Torse, t'as juste moins 2. J'ai pas envie de viser la tête. Tu peux viser la tête, moins 6. Après, l'avantage avec le canon gamma, c'est que t'as pas besoin de viser une lock, puisque de toute façon, tu les toucheras toutes. Oui, mais ça, c'est plutôt l'ultime canon gamma, quoi. Oui, voilà. J'ai hâte d'avoir son jet. Non, pour l'instant, là, je vais juste mettre la tête. Ok, bah du coup, un des 10 plus 4, hein. Un des 10 plus 6. 12. Ah non, bah tu vas pas l'avoir, c'est lui, hein, malheureusement. Ok, bah écoute, du coup Yamamoto, il va se positionner un peu en faction ici, et il va utiliser, il va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire avec le Majestic Prince, utiliser une autre arme que la War. Ouais, parce que oui, il y a une autre arme à part la War sur le Majestic Prince. Ah ouais. Ouais, voilà. Il va utiliser cette arme et il va pas toucher. Il va tirer avec une petite mitraillette. Avec un petit fusil en fait. Mais ça va pas faire très mal. Enfin, il va pas toucher du tout. Et on va passer du coup à ce vaisseau qui enfin va se déplacer. Il va aller se mettre ici. Il va foncer. On va lancer un des deux. Un, il attaque Hisoka. Deux, il attaque Yamamoto. Ok. Hisoka, il va t'attaquer, toi. Plus les idées. Ok. Je refuse. Non. Tu n'es pas en position de refuser quoi que ce soit. Lance-moi deux. Avec un 19. Oh, ça va faire mal. Oh, putain. Ces gens qui ont des critiques négatives plus haut que tes meilleures réussites. Ça va faire mal. Ok, purple. Si j'utilise ces points de chance, est-ce que ça me sauve? Trop tard. Ah, mais merde. Bah, à plus. c'était mon moment de gloire. Hisoka. Pilote de méca, hein, c'est ça? Hisoka, t'as combien d'armure sur tes... J'ai quasi pas d'armure, il me semble. Un pilote légendaire, c'est ça, hein? Ah, un pilote légendaire. Hisoka. Ouais. Tu vois ta tête? Ouais. Et bah t'as plus d'armure et un point de vie pile poil. Il t'a mis une droite et t'as juste mis un coup de griffe. Ok. Mais t'es pas bien. C'est à ce moment-là qu'on regrette Osamu. Ah, c'est à ce moment-là qu'on regrette Osamu et le tanking. Non, il est pas encore mort, Hisoka. Ok, ça va. Et du coup c'est à toi. Bah, si c'est à moi. J'ai tout envoyé dans sa gueule, hein. Stiletto, okay. Badass, tout, quoi. Ok, vas-y. Stiletto, vous êtes vraiment sérieux. On a tout fait. Attends de voir la War. Je serai pas la gélatine, je serai pas tout, quoi. Là, j'y mets total. Ok, vas-y. Alors, là, pour le coup, je mets, donc, mes caganeries. Non, par contre... Non, je mets que les roquettes, pardon. Les roquettes, tu mets les 6 dernières roquettes? Ouais, je mets les 6 dernières roquettes, voilà. Hop, vas-y, méca missile du coup. Tout dans sa gueule, allez. 17, lui va faire son jet. De toute façon. De toute façon, c'est plus 6. 9, du coup, il se les prend les 6, hein, donc on va balancer 6 locks. Hein. Voilà, c'était tes dernières roquettes. J'ai sur table spéciale! Ok, je vais devoir ressortir la table spéciale, je sais même plus où est-ce que je l'ai mis. La fameuse.
La fameuse table spéciale. Attends, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de Mecton, je crois que je l'ai mis dans JDR. Mecton. J'ai tellement pas de luck sur cette esquive. Fast of Supremacy. Ouais, parce qu'en vrai, techniquement, ouais, le truc, c'est qu'en vrai, lui, il te met une baffe, il te défonce, quoi, mais il est pas censé t'en mettre, normalement. Tac. C'est l'esprit du loup. Esprit du loup. C'est l'esprit. Ok, Hisoka, lance-moi 2D10. 2D10. 2-9. 2-9. Ok, relance-moi des 10. Très bien. Oh putain, non, bah sérieux ? 4. Ok. Tu le tues. Ok, très bien. Ouais, bah écoute, il est bloqué. T'as tapé le torse et tu vois qu'il y a pas mal d'explosions à l'intérieur. T'as l'impression que t'as déclenché une réaction en chaîne. Ok. Wow. C'est du Made in China, non? Un peu, ouais. Pardon. T'as touché la réserve. Ouais, de carburant. De carburant. Genre, voilà. Et t'as touché sa griffe aussi. Ok, il va me le payer ce connard. Tac. Et du coup, un deuxième au flanc droit, un troisième au flanc droit et un autre au flanc gauche. Tac. Et ensuite, du coup, le deuxième coup, c'était les lasers. Les lasers. Très bon choix, ça, monsieur. C'est bien les lasers, moi j'aime bien. Très très bon choix, les lasers. Les lasers qui font combien? Yeux lasers. C'est les yeux lasers. Hein. Ouais, ce sont les yeux lasers. Ouais. Ouais, les lasers qui font juste de dégâts. T'as fait combien avec les lasers? J'ai pas encore fait. Voilà, c'est lance, quelques dreams simples. Mécagonnerie. Crève! Ouah! Non, pitié! Non! Non! Il ne réussira pas! Il est critique. Allez! J'ai gagné! C'est bon! Ok, les lasers. Les lasers, du coup, bah, on va balancer deux locks, hein, parce que tu vas le toucher deux fois. Tu vas le toucher deux fois. Bon, les lasers, ça aurait mieux marché s'il avait vraiment foiré son jet. Ah non, quoi que non, on va lancer une lock. J'ai sur table spéciale. Oh, allez, un des 10. Il y a une chance sur combien que ça soit sur un jet sur table spéciale. 10. 4. 4. Ouais, d'accord, ouais, ok, très bien. Alors, hop, hop. Hop, hop. Ouais, il va douiller en fait là. Ok. Tu n'étais pas prêt. Okay. C'est un out. Bah écoute, il a frappé un de mes amis. Le vaisseau, il est... Il a bougé. Ah, bah bizarrement, le champ est libre. Donc c'est quoi déjà mes jets? C'est un... Bah c'est un jet de méca gunnerie pur. Est-ce que je vais mettre mes jets de chance? Oui. Enfin, mes deux points de chance. Okay. Oui. Hop, on met deux. Je crois que le MG était pas prêt par contre à ce que le gros méca soit déjà presque mort. Ok, alors là, basiquement, vous avez le Naut qui... Tu fais drop les fixes. Voilà, vous avez le Naut, il met ses deux mains en avant, ses deux bras se transforment en un immense canon qui fait à peu près la taille de son torse. Et ça charge. Ok, je vais m'éloigner. Et ça charge. Je m'en vais. Voilà. Et du coup, bon, on va recycler un FX, hein. Je l'ai utilisé pour une autre campagne, mais personne ne m'en voudra. Oh non, c'est pas le bon. Oh non, je suis dégoûté. Non, c'est pas le bon. C'est celui de... Je sais que tu voulais mettre. Voilà, c'est celui-là. Ok, et lui, il va faire quand même son test de défense, hein. Oui, 25. 9. Ah, il va manger. Bon, hein. Bah. Ah, il va douiller. Je pense que là, c'est fini. Avec la réaction en chaîne, plus ça, plus tout. Non, c'est fini. C'est fini, je peux y croire. Ok, et bah, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas fini. Quoi ? Il se prend. Tu vois, c'est la première fois que tu vois ça, ce Becca est vraiment super résistant. Mais il non. Il a résisté au briseur des scénarios. Son torse est en train de mourir. Hein. Tu sens que ça va péter dans pas longtemps. Tu sens que. Par contre, tu sens que dans tout le reste, il y a encore de l'armure.
distance, quoi. Oh, d'accord, il est vénère, en fait. Voilà, et maintenant, donc, Yamamoto va arriver. S'il sort la fameuse. Et il va mettre, du coup, deux coups de war. Il va essayer de lui couper un bras puis l'autre. Tac, 19, 17. Donc lui va faire ses jets de défense. Hein. 9. Attends, la war c'est... J'ai fumé quand j'ai fait cette arme. J'ai vraiment fumé quand j'ai fait cette arme. C'est vraiment fumé. Attends, combien lui fait de dégâts là? Attends. 19 moins 9, 10. Wesh. Bon bah. Non, mais en fait, quand il a fait le mecha, il s'était. Non, mais. Basiquement, en fait, au niveau. Voilà, pour vous expliquer, juste. Il faut que je nerf ça, parce que, basiquement, on est à ça de dégâts. Ok. Bon, voilà. Ça, c'est la première attaque. Ah, parce qu'il y en a droit à deux. Ah, il y a des coups de deux, hein. Mais tu sais que c'est la première fois qu'elle est utilisée, c'est la première fois que ce mecha il peut mettre. C'est la première fois que ce mecha est utilisé, oui. Non, la deuxième c'est juste 16, ça va, tu vois. Alors, le délire c'est qu'il va entamer 8 fois l'armée. Oh, non, mais il a plus de bras le mecha. T'as le grand éclair de lumière dans voilà. L'espace, un voilà. Bras qui se sépare du reste. Voilà, tu vois que là Yamamoto il arrive, avec son épée il tranche un bras puis l'autre. Mais vraiment, genre. C'est. Tu le sens, Hisoka, que c'est le matos, tu vois. Ouais, je vois, d'accord. Tu le sens que c'est le gros matos. Tu sens que l'épée, elle coupe le mecha comme si c'était du beurre, tu vois. Et du coup, t'as le mecha qui est là, qui n'a plus de bras. Qui a un trou dans le torse. Qui a un trou dans le torse et qui va se manger des dégâts. Qui va se manger, du coup, les dégâts d'explosion. Donc, les dégâts du laser x 2. 1, 2, 3, 4. Les dégâts. C'est fini, mec! Et tu vas voir un pilote qui va faire un jet de réflexe. J'ai gagné! Et du coup, tu entends, je vous aurai la prochaine fois! Et puis il ne l'aura pas. Et le mecha explose. Tandis qu'une capsule de sauvetage sort, que vous pouvez aller récupérer tout de suite. Par contre, je vais dire, je vais envoyer une communication à Taïk qui fait mon mecha de sacré dégâts, je peux plus faire grand chose. Bah, on voit, fais-le sauter sur un vaisseau, qu'est-ce que tu dis? Jamais! Du coup, il y a Yamamoto dans la conversation, t'en fais pas, t'en fais pas. Je pense pas qu'ils aient pu transporter autre chose que ça dans leur vaisseau. T'as mis de t'amuser trop avec mon bijou, s'il te plaît, toi. Je vais le poursuivre, si vous voulez. On ferait mieux d'aller les rejoindre. Ok, je poursuis. Voilà, du coup, vous avez les trois vaisseaux qui poursuivent là-bas. Et pendant ce temps-là, on va passer au gunfight. J'aurais tellement aimé être là. Alors, vous êtes tous en combi. Donc, c'est combi militaire, hein, 22 d'armure à toutes les locks. Adèche et William. Très bien. Alors, attends, ce que c'est dans quoi déjà? C'est dans SP, c'est ça qu'il faut mettre? Ouais. Elle était 22 partout. Elle était à 16, toi t'étais à 8 et toi t'étais à 7. Comme ça. Ah non, toi t'étais à 7 et lui t'es à 8, je sais plus. Je crois que c'est ça, ouais. Ok, hop. C'est qu'elle était à 16. Ok, donc je vais balancer léger pour tous les randoms. Hein. Hop, où est-ce qu'ils sont? Ok, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, oula, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. J'étais à 8 et Adèche était à 9 en fait. Ok, très bien.
ont été, voilà. Très bien, très bien. Hop, 8, et la dash était à 9. On va rajouter du coup, le premier c'est le 10, il a fait 18 plus 6, donc lui, il est à 18 plus 6, 24. Ensuite, le deuxième. Tac, le deuxième, il a fait 12. Le troisième, il a fait 16. Le quatrième, 12. Le cinquième, 16. Le sixième, 11. Le septième, 15. Le huitième, 13. Ça me fait surtout, toi, vu la carte et tout ça, j'ai le flashback de la dernière fois où ça s'est pas super bien passé pour moi. Où j'avais fait aussi un jet de merde aussi en turner d'heure. Ok, d'accord. Bah, du coup, lui il a moins. Il y en a un qui a moins 1. Hein. Il y en a un qui a moins 1, il dit, t'es là en mode, ah, quoi, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bah, du coup, tu as le premier qui va tirer. Hein. Donc, pas de manger un cookie, c'est pas ce qui se passe. Voilà, il mange un coup. Il mange une banane. Juste comme ça, le bandana autre, tu l'as pas fait son. C'est normal. Ok, d'accord. Ouais, non, il fait pas de génie, je lui. Ok. Non, mais voilà, c'était un oubli. Alors pour commencer, tu as lui qui va te tirer une balle dessus, William. Tac. Voilà, vous avez dégainé. Donc non. Je précise, moi, je n'ai pas dégainé. Hein. Voilà, mais William et Sekai, vous avez dégainé, donc je vais laisser la première action. Je vais vous laisser la première action quand même. Ok, bon, ça va commencer par Sekai, du coup. Alors, Sekai, qu'est-ce qu'elle va faire? Bah écoute, Sekai, elle va sauter. Voilà. Elle va sauter sur lui et elle va lui mettre... Elle va mettre sa tête entre ses cuisses et essayer de... Et il renverser la tête sur le sol. Épique. Plus 22. Oui. Faut qu'on m'explique là. Bah écoute... Il y a déjà faut se poser la question, comment ça se fait qu'elle a... Faut se poser des questions sur son jet de réflexe, moi je dis ça, je dis rien. Oui, mais déjà, je m'en posais sur le jet de réflexe, hein, mais... Elle a de l'ultra-instinct. Hein. quand tu bats au Samu en 1v1, il te dira qu'il a... Tac, elle est à combien? Elle a ça. Oh, au niveau des dégâts, je calcule même pas, elle est mort. Enfin, il est foutu, il est à terre, il est direct. William. Enfin, Adèche, t'as pas dégainé, tu peux des... Quoi que non. On va faire William d'abord. Vas-y, William, t'as un tour avant que les ennemis fassent quoi que ce soit. Hein. Oui. Bon, en sachant que... Enfin, moi, quand je dégaine du lance-grenade. Hein. On est d'accord. Okay. C'est pas, je suis au lance-grenade. Dans un vaisseau. Oui, t'inquiète pas. D'accord. C'est... Ok. Je pense que ça ira. T'inquiète pas, c'est pas la première fois que je le fais. Très bien. Je vais surtout tirer une fumée par là pour les embêter de viser et tout ça. Ok, bah je te laisse faire un jet du coup. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà pour le lance-grenade? Pour le lance-grenade, bah c'est gunnery, hein. Enfin c'est gunnery, c'est. Oui, c'est gunnery, mais c'était pour la longueur. Je crois qu'il n'y avait pas un truc. C'est vrai que tu lances une grenade. Enfin, tu lances un fumigène. Donc, du coup, c'était pas. Ah oui, t'as ton lance-grenade. Oui, c'est ça. C'est mon lance-grenade et ça considère comme un. Non, mais t'as la portée. T'as la portée là, t'es large. Ok. Donc. C'est ça, ce que ça considérait comme un 10 en body type en fait, d'utiliser le lance-grenade. Ouais, c'est ça. Pour lancer, c'est un lancer quoi. Ouais, c'est ça. Un lancer, quoi. Tu balances, ça fait ton jet. Pour lancer, c'est quoi déjà C'est jet de gun, donc spawn gun, il me semble. Alors,
Ce n'est pas un handgun. Il me semble que c'est un... Je t'avoue, je me souviens plus. Bon, fais un handgun, vas-y, fais-moi un handgun, c'est pas grave. Handgun, ok. Voilà, et puis je mettrai le nuage en fonction de... Ouais, si, disons que ça passe. Hop. Du coup, tu tires ton truc et t'as un nuage qui va commencer à apparaître ici, qui va effectivement les gêner. On va ramener au début du tour. Ouais, éventuellement, moi, si on avait juste droit à une initiative, je vais juste me rapprocher du mec bandana. Ok, ok, très bien, vas-y, je te laisse bouger alors. Je peux avancer de combien? Move allowance, enfin, tu peux avancer de la moitié de, enfin, de la moitié de ta move allowance par une action. Ok. Alors move allowance, j'ai 5. Ouais, à l'inférieur, je présume. Non, au supérieur. Très bien. Ok, très bien. Tu vois que le gars ne fait rien. Ouais, mais j'arrive pas de manière agressive. De toute façon. Ouais, c'est ça. Mais le mec, vraiment, il est là en mode non, moi je vais pas. Enfin, limite, tu vois. Limite, tu vois, il va se mettre sur le côté pour pas. Tu vas pouvoir aller vers. Je le suis. Voilà, lui, il va sur le côté, genre en mode non, je ne me battrai pas. Alors, je vais juste sur l'autre côté. Ok. Alors, on est au deuxième. Donc, c'est un mec qui est derrière le brouillard, du coup, qui va simplement. Simplement passer le tour à essayer de à entrer à l'intérieur du brouillard, quoi. Voilà. Le troisième, c'est lui. Ouais. Il a vu quelqu'un. Je pense qu'il a vu un de ses potes se manger. je pense que, voilà, vous avez. Elle va se faire focus. Hein. En vrai. Elle a abusé. En vrai, elle a un peu trop abusé elle aussi quand j'ai fait sa fiche. C'est qu'elle est un peu trop abusée. Écoute, fallait que je justifie qu'elle ait défoncé la gueule à Osamu, tu vois. Ouais, tu l'as bien justifié. Ah non, mais oui, non, mais ça va être ça. De toute façon, voilà, elle va continuer. Hein. Elle va attraper l'autre gars là-bas. Là. Elle est en rampage, mec. Elle va sauter sur lui, elle va lui mettre un kick dans la tête. Hein. Puis elle va lui couper la tête aussi en passant. avec ses doigts. Là. Ouais, non, mais voilà, elle va se jeter sur lui et lui mettre un Sparta kick. Ouais, non, mais je calcule même pas les dégâts. Hein. Salut, adieu. Je calcule même pas les dégâts. En fait, ça va être le tout, ça va être de survivre jusqu'à ce qu'elle ait tué tout le monde, je crois. Ouais. Ouais, je pense que je vais vous tirer un peu dessus. Ça va être plus marrant que tirer sur elle, en fait. D'accord. Tac. Donc du coup, lui, il a pas d'angle de tir. C'est chiant. Oui. Bah, t'es d'après toi, pourquoi j'utilise les fumées? Ouais, c'est ça. Bah, lui, il va s'approcher par là. Hein. Lui, il va faire le tour par là. Est-ce qu'il a un angle de tir ici sur Adèche? Ouais. Adèche, tu vas te faire tirer dessus. Parce que là, il n'a pas peur de toucher son pote au bandana. Hein. Ok, attends. Ah, c'est Istoupi, il y a moyen qu'il le touche, lui. Hein. Ah, quoique non, il prendra pas risque de le toucher, lui. C'est vrai, tu as raison. Tu peux baler une tête, là? Par contre, Adèche, tu vas te manger une droite, quand même. Pas de problème, je suis préparé psychologiquement à ça. Ok, donc du coup, t'as un mec qui arrive et qui va tenter de te mettre une droite. Alors... Quel jet je dois faire pour montrer à quel point je suis mauvais? Dodge and esquive. Je crois en toi, allez. Moi je crois pas en moi déjà. Dodge and escape, c'est ça? Dodge and escape, ouais. Ouais. Il concentre le. Mais c'est un la super banane. Jet pour moi. Hein. Ok, tu te manges du coup 5 points. Bah écoute, tu enlèves un point d'armure à ta tête. T'as qu'à demander à ses qualités. Okay. Et on t'a dit qu'on avait combien de SP à la tête? 20. 22. 20. 22. Mmh. 22. Très bien. Tac, lui. Petite patate quand même. C'est lequel, lui? Ah, lui, c'est lui, il est décès, ok. Du coup, ça va être lui. Il va s'approcher par là. Et là, il va pouvoir tirer sur. Non, lui, par contre, il s'en fout de tirer sur son pote là. Il va tirer sur William. Hein. Tac. Un jet de handgun
sur William. William, il est pour toi celui-là. Faut que tu passes ton esquive. Alors, attends, je vais essayer de retrouver l'esquive. C'est dodge and escape, c'est ça? C'est ça. Tac. Allez. Allez, easy. À l'aise. Petite roulade pour éviter le tir. Ok, bah du coup, Adèche, c'est à toi. Hein. Je peux utiliser une arme à feu au corps à corps ou pas? Oui. Bah, je vais juste dégainer mon pistolet à aiguille et le tirer un somnifère dans le pied. À qui? Au mec à côté de moi. Ok, très bien, vas-y. Donc, handgun? Handgun, ouais. Ah. Ah. Voilà pourquoi je me sers jamais d'armes. Ça touche. Mais écoute, décidément, les Kitano. C'est vrai, j'avais même pas fait exprès. Alors, du coup, ma banana, il va aller me faire. Ce banana va me faire un petit jet de. Ce bandana va me faire un petit jet de résist torture drogue. DD15. Oh! Putain! Ah bah il va pas s'endormir tout de suite, hein, mais il s'endormira de toute façon. Il va résister. William! On est d'accord, juste une dose de somnifère, c'est juste une dose quoi. Ouais. Ok. William, c'est à toi. Ouais. Attends, j'étais en train de réfléchir un peu à quelle est la chose à faire. Est-ce qu'elle va sauter sur le gueule plus proche? Fais du pin jump. C'est ça, ouais. C'est... Non, bah je vais. Il y a un gars qui est dans la fumée ou pas? Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Bah pour le coup, je recharge le lance-grenade, mais là avec une HE quoi. Donc je vais tirer sur le gars qui m'a tiré dessus quoi. Ok, ok. Peut-être, donc, peut-être qu'avec l'explosion, ça va peut-être. Peut-être qu'avec l'explosion, il y en a un autre qui va crever, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je te refais le handgun. Vas-y. Alors, handgun, ici. Ok, 14. Pour moi. Il y a quand même à faire un dodge and escape, hein. Oui, bien sûr, ouais. Hop. Moi là-bas, je suis pas un combattant donc bon. Ah oui, mais de temps en temps il faut. Oh, oui, ah ouais, d'accord. Ok. Ok, il s'appelait Néo dans une autre vie. L'autre aussi va m'en faire un quand même, celui qui est dans le brouillard. Peut-être que tu en auras un moins sur deux. Non, bah lui, il a vu la grenade. Il a un malus en plus. Ouais, il a un malus parce qu'il la voit pas arriver. Bah du coup, avec son malus, il va se la prendre dans la tronche quand même. Lance-moi les dégâts. Alors, les dégâts. Tac. Attends, faut que je retrouve. C'était laquelle, l'incendiaire? C'était le. Ouais, c'était l'incendiaire, c'est ça. C'est, un des 6 à toutes les locks. Ah, bah alors c'est un des 6. Ok. Hop. Ouais. Ok. Donc, du coup, il a très mal. Alors ensuite, on a quoi? Burn, baby, burn. Ok, donc on a lui. Lui va s'approcher, il n'est pas porté de tir malheureusement. Lui, il est là, Lui, il est décé. Lui va sortir du brouillard en feu. Et il va tenter de te tirer dessus, William. Tac. Ah, 16. Ok. Six points de dégâts à la jambe droite. Non, pas la jambe droite. Tu peux t'enlever un point d'armure.
C'est pas 6 points d'armure qu'il faut lancer ? Non, ça là, ça là. C'est 6 de dégâts. Ah non, non, excuse-moi, non, c'est 6 points d'armure, 6 points d'armure, 6 points d'armure, c'est vrai. Oui, c'est ça, ouais, d'accord, c'est ce que je suis en train de me dire, ça me paraît pas beaucoup. Ok, lui, ouais, il va tirer sur ses cailles. Ses cailles, il renvoie la balle. Sur un critique, il y a moyen. Ah, ok. Quoi que je peux utiliser aussi les règles de renvoi. Hein. Il y a des règles de renvoi. Il y a des règles pour envoyer les balles, oui. Je suis pas encore à ce niveau-là, donc je vais faire semblant de pas m'y intéresser. Ok. Écoute. Je te montrerai si t'es sage. Est-ce que Sekai. Ouais, non, bah écoute, Sekai, elle va se jeter sur lui. Non. Ça va prendre un petit moment. Elle a fumble. Oh merde, elle fait que 19. Elle fait que 19. Elle a juste tué un mec en fumble. Voilà, mais basiquement, c'est qu'elle a attrapé un mec, elle a chopé avec ses jambes, elle a foutu à terre. Ensuite, elle s'est jetée sur un autre mec, elle lui a foutu un coup de pied. Ensuite, elle s'est jetée sur le troisième, elle lui met une patate, le mec il se couche. Elle est pas dans le même manga, elle. Elle connaît pas, mais pour moi, elle, c'est DBZ, tu comprends. Tac. En fait, t'as l'impression qu'elle saute, mais elle vole. Y a le petit moment, William la regarde en mode, j'ai pas envie de la faire chier, celle-là. Fais-moi un jet de perception à Desh, quand même. Ok. Pour voir s'il y a ultra instant. Alors, perception, c'est dans... Awareness. Awareness. Dans intelligence. Ouais, c'est ça, c'est dans intel. Pas dans mon jour. Ouais, c'est quand même bizarre comment elle bouge, hein. Ah bon ? Oh merde, merci. Voilà, mais comment dire, il y a quand même des lois de la physique qui sont défiées. Ah non. Voilà. Mais sinon ton papa duel t'as fait comment? Attends, elle a juste fait un saut de mètre quoi. Oui voilà, moi la distance que je fais en un tour en marrant, 25 fois ça en un tour en saut. À mon avis je pense que je sais pas trop si elle saute pas mais. Sans élan elle a fait en plus les sauts. Hein. Là-bas là. Ouais elle va pas pouvoir attaquer. Hein. Elle le tuera de son regard. Non mais voilà. Mais non, mais non, il y a un dépassement instantané, tu connais pas. Non, on n'est pas non plus à ce niveau-là. Mais il y a un truc chelou dans la façon dont elle se déplace. Enfin, hormis le fait qu'elle fasse du kung-fu, il y a un truc chelou. Et elle a aucune arme à feu, elle, si? Si. D'accord, ah oui, c'est juste ils en valent pas la peine, ok. À quoi ça sert? Je vois, le truc, c'est Kai, I know kung-fu. Je suis dans l'école de la tortue. T'inquiète. Lui, du coup, est-ce qu'il va... Ah non, il peut pas tirer sur son pote. Il va tirer sur ses cailles. Pour faire joli. Elle a arrêté la balle d'accident. Oh, 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 oh. Il y a moyen sur un fumble. Le faux espoir. Attendez. La mèche de cheveux qui a été coupée. Attendez, est-ce que je le fais pour la classe? Ouais, si je le fais pour la classe. Elle mange la balle. Non. Elle va faire un test de psy. Ah, elle va utiliser le pouvoir de... Non. Elle a le droit d'utiliser ce pouvoir. Tac. Non, elle est juste à 7, elle. Faut qu'elle fasse 15 ou plus, quand même. Allez. Si elle réussit pas à faire 15 ou... Ah, non. Ok. Vous allez voir qu'elle met sa main devant la balle, en fait. Et va se prendre la balle. Elle essaye de mettre sa main devant la balle. Bon, la balle va légèrement ralentir, mais elle va quand même se la prendre du coup. Le culte. Jambe gauche. Ok, elle s'est pris une balle dans la jambe gauche. Ça lui fait pas très plaisir. Est-ce que ça fait j'bunk quand la balle la touche? Non, ça... Bah, ça fait un peu j'bunk parce qu'elle a... Non, mais ça fait mal, hein. Elle se prend du dégât, hein. Non, ça rentre, hein. Ça fait mal. C'est ça la douleur!
Oui, non, elle a pris du dégât. Alors ensuite, tu as le mec, lui, du coup, il va te mettre une dernière patate avant de tomber dans un sommeil profond. Mais je vais esquiver. On va dire ça. 11. Eh, c'est faisable. C'est, franchement, ça se tente. Ça se tente. Ah, dèche. Tu oui. esquives. Du coup, il te met une patate et il s'endort. Oh là là. Hop, lui il est mort, ça va être à lui. C'est le jour où tout est possible, Adèche il a esquivé. Moi quand je fais un 8, c'est presque. C'est à peine mieux qu'un mec qui fait un 3. Et alors, hein. Arrête de se moquer. Ouais, non, mais le mec est allé là. Le mec est allé là, il va pouvoir tirer à travers. Sur toi. Il va te tirer dessus, Adèche. Zut. Fais-moi ton jet de dodge quand même, on sait jamais. Je suis obligé ou... Oui, t'es obligé. Voilà, voilà. Ouais, non mais... Bah tu t'enlèves encore un point d'armure à la tête, hein, je crois qu'il va... tu t'enlèves un point d'armure à la tête, c'est bon. Et, enfin, tu t'enlèves deux points d'armure à la tête. Et c'est ça à va, toi. Je suis bien. Pour un mec qui avait pas dégainé à la base, je prends tout dans la gueule, c'est nickel. Toi, mec, tu t'avances vers eux, paisiblement. Bon, en fait, je voulais me rapprocher du mec en me disant que à côté de lui, je suis au calme, tu vois. Mais en fait, entre tirer sur toi et tirer sur ses cailles, tu vois, c'est pas trop ce qu'il veut. C'est vrai. Tac, du coup, Adèche. À moi. Après, il a été touché à la tête. Tire, est-ce qu'il a perdu sa banane? Ouf. Non. Il a un casque en forme de banane qui protège sa banane. Dommage pour toi, c'est ça. Moi, je vais juste continuer à me déplacer. T'inquiète, vas-y. Je garde l'idée de le rejoindre. Après, si tu ne fais que bouger, tu peux bouger de 5 pas. D'accord. Alors, tu peux aller jusque-là, tu peux aller à côté de lui, quoi. Je me mets là. Et je reste là en attendant. Et pendant ce temps-là, je recharge mon pistolet, on sait jamais. Tu vois, du coup, le mec qui te regarde, essaye au moins de pas les tuer. Ben, c'est ce que j'ai voulu faire, mais il me facilite pas la tâche. Sinon, vous, ça va, la famille, les amis. Tranquille, pas tranquille. Potes, c'est le mec qui dort, tranquillement, écoute. Mission de merde. Mon flingue, j'en dégaine un autre. Il te propose une clope. Hein. Non, merci, je fume pas. Ah, que ça te dérange pas si il se voit qu'il se l'allume. Ah, pas de problème. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, vous êtes pas du tout dans le même manga, quoi. Du coup, William, tu vois qu'Adèche discute avec le mec avec les lunettes et que le mec avec les lunettes est en train de s'allumer une clope. Là, je fais putain, je peux pas m'en griller une, moi. Adèche court et s'allume une clope. Le charisme. C'est ça, mais... bah, c'est à moi, donc... Ça me gare... Pour le coup... Est-ce que je peux viser ce gars-là ou pas? Ah, il est un peu compliqué ce tir là, mais. Ouais, non, mais celui-là, le problème c'est que si je tire avec mon lance-grenade, ça va être galère. Ah, au lance-grenade au lance-grenade, c'est un peu plus simple, ouais. Ouais, je suis toujours au lance-grenade, hein, de toute façon. Après, lance-grenade, avec 10, t'as la portée même pour aller taper là-bas. Hein. Oui, c'est vrai que putain, il y en a un là-bas, ouais. J'ai zappé qu'il y en avait de ce côté-là aussi. Ce que je vais faire plutôt alors. Je vais essayer de taper. Voilà, tu peux taper les deux en même temps, ouais. Tac, fais-moi ton G.
Donc il y a une 14, les deux, on va faire leur dodge and escape. Je vais même pas lancer les jets, il est mort. Hein. Ah. Ok, il y en a un qui va sauter. Il y en a un qui va sauter, il va pouvoir se cacher derrière le truc, mais l'autre, il va décéder d'un coup. Hein. C'est à lui. Ah, justement, c'est à celui qui a sauté. Il va rester caché derrière. Hein. Je pense que l'autre, il va même pas sortir son flingue, en fait. Lui, il est caché sous la console, en fait. Ouais, non, mais là, tu vois, ce qui va se passer, en fait, au tour d'après, c'est que les mecs, ils vont tous jeter leur flingue. Ils vont dire, on se rend. C'est bon, arrêtez, c'est pas la peine de continuer. Et tu vois que c'est qu'il y a les regards et les déçus. Ouais, moi aussi j'étais en train de recharger une cartouche de somnifère, quoi. Du coup, le café. Oh, quel dommage. Vous venez de capturer le seul hacker du gang des bandanas. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Okay. Ce mec est génial. Oh là là, ma vie vient de prendre un gros changement. Mais pour les mecs tués, c'est... Ouais, on en parlera plus tard. Oh là là, le scénario est trop dur pour moi. Ouais, mais on a quand même tué ses potes, hein. Non, mais moi, le premier truc, je vais faire... Toi, je viens vers lui, alors, et je vais faire... Putain, mais c'est quoi ce bordel? Où est Pancho? Bon, Pancho, il est plus là, hein. Enfin, il a pas pu paraître, hein, il était dans le vaisseau. Oh. C'est qui Pancho? Oh non, mais Pancho, oublie-le, il est parti à un moment déjà. Ah, mais qu'est-ce qui. C'est quoi ce bordel, quoi? Ce bordel, c'est qu'apparemment, vous venez d'attaquer un vaisseau du gang des bandanas et de capturer. Et de forcer Pancho Winchester Borales, le chef, à s'enfuir, de ce que j'ai compris, et vous venez de capturer un hacker, apparemment. Quel dommage. Bon. Moi, je me rapproche de la commande du vaisseau à l'avant pour contacter nos potes, puisque vu que toutes nos communications ont été grillées. Ok, bah du coup, voilà, tu rentres en contact avec tout le monde. Du coup, tu vois là, Fabien, tu récupères le contact avec... tu récupères le contact... Enfin, Tenma, Hisoka, vous récupérez le contact avec les autres. D'accord. Donc allez-y. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Tout se passe bien? Tranquille, on fait des crêpes. Ah, ok, je viens? Ouais, et puis on a un hacker aussi. Ah, c'est génial ça. Bon, on a fait un trou dans le gros mecha là. Ouais, on a combattu une mecha, c'était génial. Enfin, plus ou moins. Ouais, d'ailleurs, à l'intérieur du mecha, il y avait un mec banana lambda. Banana lambda, excuse-moi. C'est lui dans la capsule. J'ai sa capsule en main là. Ouais, voilà, je dis, si je pète, tu meurs avec moi. Et comment il va c'est quel, comment il va? Déçu. Ah, ouais, bah. Vous savez de toute façon. Je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Bon, on passe par la porte ou je fais une brèche? Non, on va faire un trou. Ok. On ouvre le hangar peut-être. Là, mais le hangar est grand ouvert. Hein. J'ai un truc. Je regarde les bandanas déjà que je connais, parce que techniquement je les connais. Je fais putain, mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que. Le Pancho là, il a jamais été un responsable des bandanas. Expliquez-vous et plus vite que ça. Tu vois qu'il se tourne vers le mec. Enfin, il se tourne vers le mec au milieu. Et là, le gars, du coup, il te regarde. Il vient faire oui de la tête et il va leur dire de s'arrêter. Enfin, il va leur dire c'est bon. De toute façon, ils nous entendent pas dans le vaisseau. Bon, on va faire les choses simplement. Disons que Pancho n'est pas seulement un des membres des bandanas. Ouais, je commence à avoir bien compris qu'il n'est pas que ça, quoi. Et là,
Est-ce qu'il est c'est un Bloods? Un pirate? C'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il est avec vous. Bon, j'essaie clairement de le persuader de me dire ce que c'est, parce que là, toi, je suis un peu en mode. On en parlera un peu marre, quoi, je pense. Bon, moi, c'est, là, je suis sur le coup, là. Je balance, j'essaie de le. Voilà, de faire parler, quoi. De persuader à. À me dire ce que c'est et ce que c'est réellement, quoi. Ok, d'accord. Tu insistes, quoi. Ouais, j'insiste. Bah, moi, disons que c'est quand même quelqu'un que je connais bien des bandanas, Pancho, qui me fait un coup comme ça. Je l'ai un peu mauvaise. Je veux moins comprendre de ce qu'il en est, et sachant qu'il me disait pas tout la dernière fois aussi. Donc, ok, d'accord. William, on pourra en parler avec notre cadeau une fois qu'on sera avec un peu moins d'oreilles autour de nous et dans un endroit un peu plus chaleureux, peut-être. S'il te plaît. Peut-être le seum, William, là. Ah non, mais toi, je l'ai mal, je fais ok. D'accord, mais toi, je regarde tous les bandanas et je fais. Pour le coup, chacun d'entre vous étiez des bons amis. Certains, toi, je regarde peut-être même le gars qui est mort. Je fais, c'est peut-être un gars que je connaissais bien. Je fais, ça m'a fait chier d'en arriver jusqu'à là. On en rediscutera et remettez-vous à faire tenir le vaisseau en ordre, quoi, parce que là, je faut pas qu'on arrive aussi dans la, enfin, qu'on touche un des astéroïdes ou un truc comme ça, quoi. On en reparlera, quoi. Et sinon, monsieur le hacker, vous êtes moi bah, écoute, je m'appelle Nemuru, on m'appelle aussi l'empereur. Très bien. Donc Nemuru, venez avec nous, hein. Oui, à ce qui paraît, vous voulez ouvrir une porte. C'est possible. On en parlera peut-être pas ici. Oui. On va essayer de trouver un endroit tranquille. Vous voulez que je vous ramène votre vaisseau? Oui, je veux bien. Moi, je considère que le vaisseau, c'est une piste de guerre. Hein. Ok, d'accord. Donc vous gardez ce vaisseau-là. Je le claim s'il faut, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Ok, d'accord. Bah du coup, vous ramenez, voilà, enfin. Il va quand même faire ramener le vaisseau avec Akari. Ok. Voilà. Okay, il est chaud. Ah non, mais ouais, il va sortir un PC, il va se mettre à hacker et puis il va ramener le vaisseau d'Akari. Alors, fais gaffe, est-ce que tu touches sur mon vaisseau? Voilà, au plus grand des calmes. Je reste avec lui parce que je sens qu'il va se faire des ennemis et voilà. Oui. Voilà, d'ailleurs, j'ai paniqué, je vais directement. Je pense que je vais directement dans le vaisseau parce que pour le coup. Bah, du coup, tu vas dans le vaisseau, tu vois Akari, elle se jette dans tes bras dès que t'arrives. Hein. D'ailleurs, mon vaisseau qui est d'ailleurs pas mal niqué, je vais le garer. Tout va bien ? Oui, ça va. Et toi, ça va ? Oui, ça va. Voilà. Mon mec, je regarde un petit peu à gauche à droite, je fais il a pris trop cher, c'est pas possible ! Comment est-ce que j'ai pas pu esquiver ça ? Genre, je suis pas bien. Et puis d'un côté, je regarde Akari, je fais je suis quand même content que tu vas bien. Moi, je rentre dans mon vaisseau aussi parce que c'est quand même terre de base. Ouais, non, mais voilà, après tu rentres dans ton vaisseau, mais ton vaisseau rentre dans leur vaisseau, tu vois. Ah oui, bah voilà, bon, je vais aller avec Adesh. C'est ça. Bah, du coup, vous allez rentrer au Maestro. William, t'auras un moment où en fait tu vas pouvoir parler à Nemuru. Mm-hmm. Du coup, Nemuru va te dire. En fait, comme je te disais, vous allez être tous les deux dans une salle, hein, vous êtes que tous les deux. Sauf si tu veux que d'autres de tes potes viennent avec vous. Hein. Bah, peut-être Adesh, vu qu'il était avec moi lors du truc. Ok, juste Adesh. Je considère Adesh comme, comme personne de confiance. Et, il a entendu des trucs, voilà, donc je vais pas le mettre non plus dans le noir. Du coup, il va dire, en fait, bonne chose, c'est les. Disons que c'est compliqué, c'est un des généraux de Cyberbarba.
Mais actuellement, il est plus dans ses intérêts à lui que vous gagnez la prochaine bataille. En gros, il veut éliminer un concurrent qui arrive, quoi. En gros, oui. Et quels sont ses objectifs à long terme, sans vouloir être indiscret? Il te regarde et te dit être le calife à la place du calife. Mais le calife actuel a pas des idées super sympas vis-à-vis de nous. Il gardera les mêmes ou pas? Pancho gardera les idées de Pancho. Ça reste Très Pancho, bien. hein. Je vois. Donc c'est aussi dans notre intérêt de l'aider, selon vous. Je pense, oui. Très bien, très bien. Et peut-être c'est Yamamoto qui en sait le plus par rapport à la porte. Qu'il faut regarder. Oui, ça doit être lui qui doit. Ça doit être lui qui est au courant chez vous. Hein. Peut-être qu'on ferait. Je regarde une âme, je dis peut-être qu'on faudrait qu'on fasse venir Yamamoto. Je sais pas s'il a des informations particulières qui pourraient aider notre hacker. Ouais, bien sûr, ouais. Bah en vrai, Mais tous ceux qui veulent venir peuvent peut-être venir dans le groupe, tous ceux qui sont dans la confidence, quoi. oui, voilà, après ça. Après, j'ai essayé de voir peut-être avoir une petite discussion après vraiment après ça seul avec le hacker là, je me Oui, de suis toute un façon, petit il mot reste avec nous maintenant. pour le ça pour en savoir plus sur Pancho quoi, Ok. de façon générale quoi. Ok, d'accord. Du Genre, coup. je vais lui faire parler de tout ce qu'il peut, quoi, hein, clairement. Oh non, Du mais. Du coup, ce vaisseau-là, je peux le claim, enfin, il est à moi. Bah là c'est William qui la claim donc il a Je William. l'ai Comment oses-tu, petit effronté? Ouais non c'est William mais t'inquiète pas ton vrai vaisseau il est à peu près aussi gros Non, mais je sais qu'on. Bah, justement, j'en voulais bien un deuxième. hein. Non celui-là il était claim par William du coup. C'est le vaisseau de William maintenant. Il a récupéré un vaisseau pirate, enfin un vaisseau d'un gang, donc un vaisseau pirate techniquement, donc il est à William. En plus, oh non, c'est un vaisseau pirate, il appartenait à Pancho qui était un pirate. Donc il est à toi. Ouais, c'est le début de la gloire, ne vous inquiétez pas. Et bah du coup, voilà. Vous allez rentrer au Maestro. Et Yamamoto va vous amener du coup dans les égouts du Maestro. Bon, je vais pas vous sortir. Voilà. Yamamoto va sortir va vous emmener dans les égouts du Maestro. Vous allez voir une immense porte blindée en fait. Le gars va arriver, il va sortir son ordinateur. Il va commencer à se brancher dessus en fait. Ça va lui prendre 4-5 heures. Mais il va réussir à l'ouvrir la porte. Et à l'intérieur de la porte, William, tu vois ce qui semble être un cœur de fusion, mais celui-là, il est géant. Et donc, attends, je vais juste demander un truc. Mais ouais, non, voilà, continue, je t'écris le truc en attendant si Ok, tu veux. d'accord. Donc toi, tu vois ce cœur de fusion géant, et je vais juste faire le cliffhanger pour la fin de la partie. Et quelques secondes après, du coup, vous allez voir une personne arriver en transpirant. Et cette personne, c'est. Bah, je vais vous montrer le token directement. Hein. Voilà. Ça, je crois que pour certains, ça va être la première fois que vous allez voir ce mec transpirer. Et je vais vous montrer directement. Je vais le mettre dans cette map directement. C'est pas très grave. Il arrive et vraiment, il est pas bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est 4 jours trop tôt. Ils se sont mis en route. Ah! C'est pas ça le pire. Il y en a un deuxième. Nemo, est-ce que tu as des infos sur le deuxième? C'est pas bonjour en tout cas. Ah, je pense que savoir qui c'est, Biroquois et Pancho, j'imagine. Non, le deuxième c'est pas Pancho. Oh.
C'est ok, il te regarde, il dit au mieux Ouais, je sais pas vraiment si on peut parler de mieux, mais. C'est pas le perdant de mes coéquipiers quand même. Bah, au pire, c'est Otsuka. Au mieux. D'accord, je me souviens plus du nom du PNJ, deux secondes. C'est Jean-Michel. Au pire, c'est Otsuka, au mieux, c'est. C'est Azusa. Très bien, je vais me charger de prendre à disposition tout ça. Oui, oui, allez tout de suite sur le champ de bataille. Je vais demander l'évacuation du maestro. Je prends tous les médias qui sont disponibles. Et je mets mes lunettes, je le regarde et je fais... Maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de nos unités. Si j'ai le leadership. Voilà, non mais le gars il va te laisser faire. Le gars, une fois qu'Ayubu il va se barrer, il va aller dans les issues de secours. Puis moi, t'as CB toi. Voilà, basiquement, il va rapidement faire un discours à tous les soldats en mode c'est lui qui gère. Il se barre. Ah ouais, ouais. C'est l'instant de mon lancer de leadership. Tu peux lancer ton leadership si t'as envie de faire un discours, mais je te propose de faire ça au début de la prochaine session. Oui, je vais faire ça au début de la prochaine session. Voilà, mais basiquement, il y a un vaisseau qui a rejoint le vaisseau de Shun. Alors, William, donc du coup, oui pour ta question, mais il te faudrait une deuxième. Il t'en faudrait une deuxième. Terry, okay. Enfin, tiens, le hacker, il a... Ouais. De quoi ? Là, il est avec personne, ce petit hacker. Le hacker ? Mais là, il est à côté de William, là. Hey, s'il connaît Daikoko... ça fait tard, mais bon, en gros, la session se termine. Voilà, t'auras pas le temps trop de faire un recrutement. Hein. La session se termine alors que tu rassembles tes troupes parce que il va y avoir un affrontement. Les pirates arrivent, ils seront là dans environ une petite heure. Nice. Et du coup, la prochaine session, ce sera le grand final. Ce sera la guerre. Ce sera la guerre. Parce que dans Mecton War Z, il y a War. War. C'était pas pour l'arme. Hein. Ah, désolé. Ok. Bah, du coup, j'espère que la séance vous a plu. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu. Non, c'était bien. Ouais. Franchement, c'était. Ça va. J'étais défoulé, c'est bien. Bah, on a pu voir qu'il y a quelqu'un qui maîtrise Ultra Instinct. Donc... Puis voilà, quoi. On a surtout vu aussi que. Il y a certains qui galèrent au combat, hein, chez moi. Il y en a d'autres qui savent pas vraiment piloter un vaisseau, j'ai l'impression. Alors, toi, t'inquiète. Attends, déjà j'apprends tes CK et après on va voir. Allez, salut. Ouais, d'ailleurs, CK aussi sort son mecha. Ah, au passage, je veux dire, ah, quel dommage que mon vaisseau fût abîmé, je ne pourrais pas participer à ce duel éventuellement. Ouais, si tu veux, on peut te laisser le... C'est le Majestic Prince ou The Knout, si t'as envie. Non, je pense que ça y est, je pense que je serai le plus à l'aise avec mon mecha. Non, mais c'est, du coup, c'est qu'il va dire d'abord les pirates, après on verra pour le duel. Ça me va. Ah, oh, c'est quoi, tu nous revends pour le pirate? C'est bon, le Butterfly est prêt. Oh. Sachant que. Bah, non, je sens que le vaisseau, je vais en faire un vaisseau de réparation méca mobile. Voler mon vaisseau qui claye. Ah non, mais tu vas voir que ton vaisseau il va être directement. Ah oui, je sais, bon, il va être directement dans le truc, mais bon, c'est pas. Voilà, il va être directement dans la guerre. Ah oui, non, mais là, ce qui va exploser, le gros méca de la mort. Voilà. En fait, William, tu vas avoir directement une mission. Hein. Tu vas avoir directement une mission et tu vas voir les noms des gens qui vont apparaître avec toi. Et enfin, tu vas voir les noms des gens qui vont être avec toi et tu vas reconnaître tous. Bizarrement, je vois. bizarrement, voilà. C'est pas comme si certaines équipes étaient prédéfinies. Voilà. Je tease pour la prochaine fois, mais bon, il y aura ça. Ok, du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous ceux qui sont sur le live. Merci d'avoir suivi. Et la prochaine partie, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais elle va être longue. Voilà. Du coup, merci à tous. À plus. À plus. À plus. Attends deux secondes. Est-ce que j'ai streamé le bon écran pendant toute la partie ?
Oui. Ah, j'espère. On nous l'aurait dit. On aurait eu des MP pour nous le dire. Ok. Mais non, t'as très bon écran. Bon, moi je vais vous laisser, désolé.